Lis bien son message. Ça ne fait pas partie. Elle est en train de créer cela à part. Écoute bien la personne. Lis bien le message. On me donne 30%. Bonjour, bonjour. Partagez le direct. Bonjour petit oiseau. Bonjour, bonjour Edwige. Merci. Bonjour Marceline, tu es sur ma nouvelle page, super. Je pense que la nouvelle page aussi va filtrer beaucoup parce que il y avait les anciennes personnes sur mon ancienne page. Oh, je te connais depuis 5 ans. Oh, quand tu étais encore en Angleterre, je te connaissais. Donc, voici votre filtre ici là. Je verrai vraiment ceux qui me suivent. Super. Bon, sur cette nouvelle page, il y a de nouvelles choses qu'on doit mettre, qu'on va faire. Et on va aller plus profondément. Ce sera plus intéressant, quoi. Je vais lancer TikTok. Bonjour, bonjour.
Vous ne saviez pas. Ça fait partie de vos pouvoirs. Quand on te... Vous traversez les nuits noires de l'âme. Et la nuit noire de l'âme se manifeste par des attaques très intenses. Mais quand tu sors de là, normalement tu sors de là en ayant rajeuni. Voilà. Oups. Bonjour, le roi Nestor. Voilà. Il y a beaucoup d'entre vous, vous me suivez depuis longtemps. Si ça fait déjà plus d'un an, vous êtes sûrement dans votre phase de tentation. Slash découragement. Les phases de l'éveil sont les suivantes. Je rappelle que les phases de l'éveil durent. Ton éveil peut commencer, supposons tu as commencé en 2021. Et c'est en 2025 que tu es stable. L'éveil est censé t'apporter, activer ton pouvoir. Ok? Bonjour! Bonjour, le coach William Jamin. Donc, l'éveil prend du temps. Et à partir du moment où tu commences à être consciente que j'ai des pouvoirs, j'avais des blocages ou j'ai des blocages. Donc, je veux qu'on parle de ça aujourd'hui. Parce que tu as la phase où tes finances vont commencer à aller bien d'abord. Ouais, oh, j'ai l'argent, je commande ça, ça vient, je commande ça, ça vient, je peux faire mon travail spirituel, je paie ma dîme, je paie mes offrandes, je vais voir les orphelins. Il y a la phase maintenant, donc, ce que le premier argent que tu as, tu commences à le donner. Tu investis sur toi, tu payes des formations, des livres. Tu sèmes peut-être dans la vie de quelqu'un que tu suis qui te parle beaucoup. Ça part maintenant déclencher la deuxième étape. La deuxième étape, c'est là où j'appelle ça le cardio. Si tu n'as pas le cardio sur l'étape-ci, c'est là que tes vrais démons... Donc, je vous ai parlé de la femme l'autre jour, que je vous ai fait écouter son voice ici, non. Elle travaille avec moi depuis déjà un an. Elle vend mes produits dans son pays. Son mari a été envoûté. Ils sont allés chez un pasteur de leur coin et il a fait une séance de désenvoûtement. Le diable dans son mari lui parlait. Que toi, tu as une grande destinée. Tes enfants ont une grande destinée. Et la femme, elle ne doit pas venir dans le pays. C'est parce que si elle vient, ce qu'elle va faire avec toi, ça va marcher, tu vas devenir riche. Et ils lui ont dit, avant ta maison, c'était notre endroit d'atterrissage. Et je me rappelle quand on venait se connecter, ça fait un an et demi, deux ans. Elle me disait toujours qu'il y avait tous les trucs qui sont dans la nuit, elle entend couler sur le toit. Les trucs qui marchent dans son plafond. Et il disait que pour t'atteindre, puisque tu commences déjà à faire les prières, elle vous envoie les prières tous les jours, elle vous fait jeûner tous les jours. Hein, c'est même quoi? Elle vous fait. Voilà, ça l'énervait. Les produits qu'elle donne, ça l'énervait. Et la femme là, me dit que depuis janvier, elle travaille sur une situation où ses finances sont. C'est bloqué jusqu'à elle-même, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Bon, ma nouvelle page, Reine Lumière officielle, j'ai bien voulu. Faire les choses de façon plus avec tous les anacœurs qu'on a eu là. Donc, il y a la nouvelle page qui a été créée sur Facebook. N'aie pas peur de recommencer à zéro. C'est Reine Lumière officielle. Donc, ça, c'est vraiment, je veux vraiment crier pour avoir les gens qui voient sur ma page, c'est les vrais abonnés. Voilà. Pendant la phase où tes finances ou bien ton mariage sont attaqués, ou encore. Tes enfants, on va attaquer aussi tes enfants. Il y en a parmi vous, quand vous commencez, tu peux perdre ton enfant peut devenir... Ah, c'est ton fils qui m'envoie les cœurs. Merci le fils de Rosine. Tu peux avoir une phase où tes enfants deviennent têtus soudainement.
tu as une phase où ton et je ne vous mens pas, la veille de ce rituel de désenvoûtement avec son mari, elle, je t'assure qu'elle a eu les pouvoirs avec son mari, parce que son mari l'a insulté, il lui a mal parlé. J'ai mis le titre de ce live. Si tu ne vois pas, je ne sais pas ce que je peux faire, ma chérie. Sur TikTok, j'ai mis le titre. Avant de lancer ce live, j'ai mis un titre. Donc maintenant, si le manque de titre fait que tu ne veux pas me regarder, il n'y a pas de souci. Donc, les étapes d'activation de vos pouvoirs. Si tu me suis, ça fait 6 mois, ma chérie. Tu as encore le chemin. C'est pour ça que je vous dis toujours, je ne suis pas dans votre vie pour 1 semaine. Je ne suis pas là pour 1 mois. Même pas pour 6 mois. Elle me dit que la veille de ce jour-là, son mari l'a tellement insulté. Elle est partie dans la voiture, elle a pleuré. Elle a démarré, elle voulait même partir, elle voulait même le quitter. Et le lendemain, quand on parle avec le monsieur, quand le démon parle à travers lui, il dit que c'est moi qui ai mis la jalousie dans le cœur de ton mari. Et le truc, c'est que le diable va vouloir passer par les personnes qui sont à côté de toi. Peut-être tes enfants. Parce que naturellement, il te dit que si tu échoues avec tes enfants, ça veut dire que tu as échoué. Partagez le direct sur Facebook, s'il vous plaît, partagez. Que plus de personnes voient la nouvelle page. Mais attends, ça veut dire que si on voit cette femme-ci là, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Si elle échoue son mariage, ça veut dire que sa vie n'a pas de... C'est, comment est-ce qu'elle peut se passer devant nous, elle parle? Si ses enfants ont tous échoué, regarde ses enfants, ils fument. Regarde-les, voilà nos enfants en prison là-bas. Donc, le diable va toujours attaquer les parties très sensibles de votre vie. Très sensible. Et croyez-moi, le diable vous connaît. Avant, je me disais, ah, qui suis-je? Non. Maintenant, je sais que j'agis. Je touche le royaume des ténèbres. Ils me sentent passer. Quand je donne 2 coups, ils ont ça pas un là. Et vous devez être prêt à assumer. Prenez sur vous ce qu'on vous envoie. C'est une bataille. Je crois qu'il y a une nouvelle trend sur TikTok où ils font tin 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 tin. Une personne donne un coup, puis après l'autre fait puis. C'est une métaphore que je vois dans mon esprit, mais c'est de ça qu'il s'agit. Avant, quand tu ne connaissais pas que tu as des pouvoirs, ben voilà, tu recevais juste les coups. Bonsoir, bonjour Irène, bonjour Nikès, bonjour Naomi, bonjour Nicole. Voilà les personnes qui, les vraies personnes qui me suivent. Oh, comment je suis contente. Je veux que les déceptions qui vont suivre mon direct. Tu donnes un coup, il donne sa part. Maintenant, avant que tu ne connaisses qui avait les coups, et croyez-moi, il n'y a pas un endroit où vous n'avez pas les coups. Il n'y a pas. Il y a toujours, bonjour Christian, il y a toujours un coup qui va te sortir. Et généralement, c'est le genre que tu n'avais pas imaginé. Genre, mes employés, ça va, j'ai les bons employés, j'ai les bons ceci. Tac, on attaque ton mari. Non, mes enfants, ça va. J'ai payé toutes mes taxes, mes impôts étaient payés, mon loyer, j'ai payé sur 1 an. Et on te sent un coup, bam, on te vole. Il y a toujours un coup que le diable est en train de préparer sur vous. Maintenant, vous devez... Tu vois, quand tu es dans une bataille et tu ne connais pas que tu es dans une bataille, c'est dangereux. Non, tu vas te coucher, tu vas dormir. Ah, moi, je n'ai pas besoin de faire mon lavage au sel. Ah, tu te couches la nuit, tu fais les cauchemars. Non, mamie, réveille-toi même à 3 heures. Même à 3 heures. Excusez-moi, j'ai un voisin très... Il est très vocal. Oui. Bonjour les oiseaux. Réveille-toi à 3 heures, tu vas te laver. Tu laisses le sel sur toi. Je vous ai parlé des produits que vous allez devoir avoir sur vous. L'huile de blindage, par exemple. Tu restes souvent là, tu ne sais pas pourquoi tu... L'enfant chauffe la nuit. Vous croyez que ça fait, ça vient d'où? Hein? Maintenant, quand tu es conscient des attaques, quelqu'un qui traverse les attaques en connaissant que ça c'est un coup qu'on est en train de lui donner, il doit connaître où est-ce que moi je touche le diable. Pourquoi le diable a peur de moi? Comment je l'attaque? Pourquoi il a peur de moi? Vous devez connaître. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre qui va encore lui faire mal? Il y en a parmi vous, le diable connaît que si tu as l'argent, tu vas aider les gens avec. Oh, elle va aller donner les orphelinats. Elle va préparer l'entrée, elle va partir donner à la rue aux gens. C'est quoi? Alors que moi, je veux faire que les gens aient faim.
qu'est-ce qu'il fait? Il touche tes finances. Et quand il touche tes finances comme ça, là, c'est chaud sur toi. Même manger chez toi. Toi, que ça fait 6 mois, tu donnes la nourriture aux gens. Tu donnais les offrandes. Tu sortais les bas 100 000, tu donnes dans tel orphelinat. Aujourd'hui, tu as la même manger, même la nourriture dans ton frigo, tu n'arrives pas à trouver. Le diable vient t'attaquer parce qu'il a vu. Et les agents de lumière, naturellement, vous aimez faire le bien. Tu sais que tu peux sortir tout ton argent pour aller aider quelqu'un. Tu peux sortir ton argent pour aller travailler sur quelqu'un d'autre. Voilà, depuis que tu as commencé tes bains de sel, tous les membres de ta famille sont en mode ninja. Meki, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus et merci à ceux qui ont partagé. Et parfois, avant, les personnes que je touchais ou que j'aidais, c'était un petit nombre. Et je simplifiais souvent. Je simplifiais. Je me dis, ah, j'ai aidé seulement 3 personnes aujourd'hui. J'ai prié et je... intercesseur. Ah, aujourd'hui, mes prières, je peux faire une prière, je lance comme ça, ça touche 3000 personnes. Je lance ici en ligne, c'est au moins 20 000 personnes qui regardent. Hmm? Mais il y avait un moment où c'était seulement 2 personnes. Et parfois, je prie même des personnes, elles ne connaissent pas que je suis en train d'intercéder pour elles. Seigneur, aide telle personne. Seigneur, aide-la. Seigneur, je déclare que son enfant va vivre. Seigneur, je déclare que ceci. Ok. L'ennemi connaît que vous touchez son royaume. Vous touchez le royaume des ténèbres. Vous comprenez? Jésus peut laisser 100 personnes, je vais dire 99 selon la parole, pour aller chercher une personne. Le jour où j'ai compris l'importance d'une personne, même si c'est pas le direct, c'est un abonné que j'ai, ça ne me dérange pas. Une personne. Donc si tu restes, tu vois que bon, quand il va faire ça, c'est seulement une personne qui va venir, non. Je vais faire, les groupes de prière, j'en ai fait. Les groupes de prière, j'en ai fait, physiquement, en ligne. Alors, tu restes comme ça, là, tu crois que 10 personnes te disent que je viens. Le jour-là, une personne se pointe. Je travaille avec la personne-là comme si c'était 5000 personnes qui étaient là. Peut-être dans ton quartier, il y a des petits-enfants que quand ils viennent chez toi, ils savent que la tata, si elle va nous donner à manger, tu es déjà en train de faire du bien aux gens. Je vous dis encore, le diable vous connaît. Peut-être que tu es en train de prévoir arranger une route dans ton village. De faire le forage dans ton village. Ah! Merci, grâce. Non, il ne veut pas. Ah, donc je vais laisser pas, elle donne l'eau. Avec les maladies que l'eau donne, l'eau de marigot donne là, je tue au moins 10 enfants par mois. Je tue au moins 10 enfants par mois. Donc elle croit qu'elle va venir, elle va faire le forage, je vais la laisser. Maman, écoutez bien. Les élus de Dieu, ce sont des personnes que tu peux vider ton compte bancaire pour aller donner quelque part où Dieu t'a dit que donne. Tu es capable de vider ton compte pour aller aider quelqu'un quelque part parce que Dieu t'a dit de donner. C'est ce qui fait la différence entre toi et les autres personnes. Parce que souvent, ne vous confondez pas avec... Parce que ce que l'ennemi va souvent jouer sur les élus, c'est que, ok, comme tu es élu de Dieu, regarde, telle personne est bénie plus que toi, non. Regarde, telle personne, il a 2 millions d'abonnés. Toi, tu as seulement 100 personnes. Tu fais tes vidéos depuis que tu parles. Seulement... Peut-être dans tes 100 abonnés, il y a une personne que chaque matin, il se réveille. Quand il voit ta vidéo, il voit ton message, il dit, hé, Seigneur. C'est comme si la femme s'est dormie avec moi. Pour vouloir aider, tu souffriras. Maëlys, ne te dérange même pas, tu souffriras. Il y a des gens qui, s'ils ont, ils ne vont jamais donner à quelqu'un. Je vous ai raconté comment je me suis fâchée une fois ici avec mes employés. Je reste, je reçois les gens chez moi, ils voient comment ils sont. Ils sont là, ils sont fatigués, ils ont trop. Ils avaient lavé les gens le jour-là. Ils disent non, allez acheter la nourriture, venez leur donner, ils mangent. Les gens qui étaient chargés de servir mes visiteurs.
Il coupe la nourriture, pas peut se mettre derrière pour manger. Alors que toi-même qui es derrière, tu aurais pu dire que non. Attendez, même moi-même, je prends même 500 pour payer la nourriture pour donner aux gens. Quelqu'un qui a le cœur pour aider, ce n'est pas dans tout le monde. La nature d'aide là, ce n'est pas dans tout le monde. Ne vous méprenez pas. C'est ce qui m'amène maintenant pour vous dire que quand tu dis que tu es la prunelle des yeux de Dieu, c'est parce qu'il connaît que si j'ai besoin de quelque chose là-bas, elle va partir faire. Ave, bonjour. Si je, elle se lève, elle a 5 000 sur elle. Je lui dis de donner 3 000 à la mère qui est au quartier, là, au coin de sa rue. Je sais qu'elle va aller donner. Alexis, merci d'avoir partagé mon direct. Je sais qu'elle va aller donner. Que ceux qui ont partagé mon direct me disent. Dites-moi ceux qui ont partagé. Celui qui a partagé, qui me dise. Réunion, je te bénis. Je viens ouvrir tes portes aujourd'hui. Nature, merci d'avoir partagé. Que tu puisses lancer ta chaîne que tu veux lancer. Anéa, merci d'avoir partagé. Je bénis vos business aujourd'hui. Emmanuel, merci d'avoir partagé. L'ouverture de tes pensées, Emmanuel. Tu es une personne que tu as beaucoup de choses que tu veux faire. Tu as beaucoup de projets. Tu es un visionnaire, Emmanuel. Je viens mettre la bénédiction sur toi, Emmanuel. Chantal, t'aimes quoi? La persistance. Tu as besoin de persistance, Chantal. Tu es dans une autre phase où tu la colline que tu dois monter. Tu dois accélérer maintenant, pas seulement en deuxième ou en troisième. Tu es en première depuis. Guy, merci d'avoir partagé. Je viens te bénir aussi. Tu dois persister, Guy. Tu as un problème de personnalité. Tu doutes. Cynthia, persévère aussi. Tu as beaucoup la présence de la Vierge Marie. Je crois que tu pries beaucoup la Vierge Marie. Karine, merci d'avoir partagé. Elisa, merci. Je mets la bénédiction sur vous. Tous ceux qui sont, ont partagé ma page. Marie-Emma, merci d'avoir partagé. Je mets la bénédiction sur toi. Justine Eto, je mets la bénédiction sur toi. Jésus sauve, je te bénis. Bonjour Patrick. Aliane, toi tu partages toujours beaucoup. Je vais mettre la bénédiction. Comme tu partages là, que quelqu'un aussi s'occupe de ton cas qui t'a, que tu attends depuis Aliane. Edwige, je remercie d'avoir partagé. Je te bénis. Cindy, je te bénis. Christelle, je te bénis. Christelle Biacop et Christelle Demano, je vous bénis. Spora, je te bénis aussi. Valérie, je te bénis. Déca, la bénédiction sur vous. Valérie Oyan, il vient te guérir de tout serpent dans le ventre. Je te bénis. Agnelle, je te bénis. Tu es connecté aux étoiles, Agnelle. Pour mettre une couronne sur ta tête. Précieuse testimony, merci d'avoir partagé. Il arrive. Précieuse, je te bénis. Il arrive, je te bénis. Josie, je te bénis. Maëlys, je te bénis. Maëlys, tu as beaucoup de confusion. Tu as les dons, mais tu as beaucoup de peur, Maëlys. Beaucoup de peur. Bon, je continue l'enseignement que j'avais pour vous. Comme vous cliquez pour partager ceci, je déclare sur vous, de la même façon que vous voulez que les gens comprennent ce que je suis en train de dire, que vous-même aussi, on partage pour vous. Que quelqu'un se lève pour aller prendre votre dossier qui était bloqué et qu'il débloque ce dossier. Au nom de Jésus. Vous devez comprendre que l'opposition à laquelle vous faites face, c'est dans les bureaux, c'est dans les voitures, c'est dans l'ordinateur, dans le téléphone que vous tenez. L'esprit adverse est dans tout ce qui vous entoure. Ça peut affecter ta voiture, ça peut affecter un réceptionniste ou un serveur dans un restaurant, ça peut affecter, donc ça peut entrer dans n'importe qui. Et c'est comme si c'est une adversité qui te suit en fait, parce qu'ils sentent la lumière en toi. Ils sentent la lumière en toi et il faut qu'il entre dans les personnes adverses. Il peut entrer par n'importe qui. Si tu es bloqué, c'est bien. Ce n'est pas le bureau des plaintes ici là. Tu lances ton business pour le bouillon. Ok, super. Que ça se passe bien. Il faut verser le sel sur cet endroit-là avant de travailler, avant de vendre. Merci de partager le direct. Merci. Regardez. Quand tu
dans le royaume céleste, on ne fonctionne pas comme les hommes. Vous comprenez, non? On ne fonctionne pas en disant que, ok, j'ai 50 abonnés. Elle a 1 million d'abonnés. Ça veut dire qu'elle a plus d'impact que moi. Hein? Freddy Mono, bonjour. J'espère que tu ne parles pas comme ça pour après venir me déranger. Donc, vous allez avoir très souvent des personnes qui vont... Vous ne fonctionnez pas avec le physique. Vous suivez? Ne regardez pas. Ok, comme j'ai fait la vidéo aussi, 100 personnes ont regardé. Oh, regardez sa part. Il a 500 000 vues. Il a 25 000 likes. Ça veut dire que ça... Non. Un agent de lumière, un élu, c'est quelqu'un qui doit... Tu dois être ancré dans ce que tu portes. Si Dieu te dit, va chanter, tu chantes. Première année, personne ne regarde. Deuxième année, personne ne regarde. C'est seulement une personne qui regarde tes vidéos. Reste sur le fait que tu es sûr qu'on t'a dit d'aller chanter. Parce que la personne que tu touches avec ta chanson, dans le royaume céleste, peut-être que c'était elle ta mission. Et avec l'aide des réseaux sociaux, les gens ont facilement la possibilité de... Ah, il a combien? Oh, 2000 abonnés. Ah. Ah, elle a 15 000 abonnés. Les gens ont tendance à vite juger les gens. Et c'est une des stratégies de l'ennemi. Voilà, il a la voiture. Quand il vient ici, il nous faraude tous. Elle, là, elle vient seulement avec le pain. Elle donne les beignets aux gens chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait avec les beignets? On fait quoi avec les beignets? Elle, là, on ne les coupe pas. Ne laissez pas l'opinion des gens, parce que vous ne faites pas ce qu'ils attendent de vous. Ne laissez pas cette opinion déterminer qui vous êtes. Vous suivez? Parce que votre prochaine attaque va se passer à ce niveau. Votre prochaine attaque, ça va se trouver à ce niveau. Depuis que tu parles là, qui t'a écouté? Ce n'est pas parce que j'ai 1000 personnes connectées ici en ligne que ça va rendre mon message plus vrai. Les élus, vous devez comprendre que là où tu es et tu es en train de m'écouter, premièrement, tu ne tombes pas sur ce message par hasard. Ça veut dire que tu devais écouter ceci maintenant. Deuxièmement, il n'est pas trop tard. Donc, ce que tu crois que tu as perdu, on devait te donner un an. Oh, quand j'ai travaillé, c'est là, les gens ne me voient pas. Oh, on ne me reconnaît pas ma juste valeur. Les élus ont la capacité d'accumuler et de manifester un don de façon exponentielle. Vous suivez, non? Ouais, pendant 15 ans, tu as travaillé pour quelqu'un que tu n'as jamais eu. Et en l'espace de 4 mois, tu te retrouves avec ton propre magasin. Maintenant, pour que ça s'active, premièrement, tu dois connaître qui tu es. Et le diable ne veut pas que tu connaisses qui tu es. Ah, j'ai seulement une petite femme, non? N'est-ce pas, moi, je vis seulement... Je viens de Badjoun, non? J'ai une petite Badjounaise. N'est-ce pas, mon père avait la boutique là-bas. Ma mère avait la vente emportée là-bas, non? J'ai grandi là-bas à Tongan, non? Je suis qui? Première chose, l'ennemi va attaquer votre identité. Merci, Apo, d'avoir partagé mon direct. L'ennemi va attaquer votre identité. Directement. Directement. Dès que ta bouche dit « je ne suis personne », c'est bon. Écris cela, je suis choisi, je suis un élu. Répète-toi cela. Je suis choisi. J'ai des vies que je vais impacter. Et je dis bien, on n'est pas là pour impacter les vies pour la gloire de nous. Tant que tu n'aimes pas la personne, que tu aides plus que la gloire d'avoir aidé la personne, tu ne peux pas avancer. Tant que
Donc, ok, j'ai aidé la maman si personne ne m'a vu. Ok, waouh, je suis content comme je l'ai aidé jusqu'à. Hey, regarde, moi, je me sens bien. Non, j'ai aidé la femme s'il faut qu'on voie. Vous voyez, comment je l'ai aidé. Elle m'a pas, été reconnaissante. Hein? Vraiment. Vraiment. Vous comprenez? Et dans le monde spirituel, les choses que tu as faites, et Jésus a très bien dit, fais tes choses dans le noir que personne ne voit, pour qu'on te récompense devant les gens. Ils vont accumuler tout ce que tu as fait depuis venir maintenant. Et quand ta récompense va commencer, tu seras choqué. Maintenant, voilà, je vous amène sur un autre point que les choisis ont de la peine à accepter. Comme je suis choisie, je ne suis pas censée seulement souffrir. Vraiment, je ne sais pas, ça va aller. Tu as le droit, en tant que personne élue, d'être bien. Écris cela, j'ai droit au bonheur. Écris que j'ai droit. Beaucoup trop de personnes servent Jésus, mais croient qu'ils ont droit à la pauvreté. Oui, je dois vivre dans la pauvreté, je dois vivre seul. Tu dois vivre là-bas. La période où on t'isole, c'est pour que tu trouves ta tribu, tes gens. Que tu te connectes maintenant à tes gens. Et quand tu te connectes, ce qui se passe, c'est quoi? Ton esprit commence à... Maëlys, ne commence pas, je vais te bloquer. Tu comprends, non? Maëlys, je vais te bloquer. Tu as compris? Quand tu viens dans mon direct, je me pointe ici pour te parler. Je ne me pointe pas pour parler à une personne. Je te vois depuis là, elle ne parle pas. Tous les gens qui demandent leur message, là, je vous bloque. Cache. Continue ta vie et continue ma part. C'est bien beau de dire que je suis une reine. Quand j'ai commencé ce mouvement-là en ligne, c'est moi qui. C'était la première à commencer à faire que j'appelle les gens rois et reines. Ne voyez pas comme maintenant tout le monde en train de dire que oh, je m'appelle reine, je m'appelle reine. Et quand quelqu'un prend ton concept, il ne peut pas dire que j'ai vu ça chez telle personne. Non. Mais c'est bien, appelez-vous roi, appelez-vous reine, il n'y a pas de souci. Vous l'êtes. Maintenant, il ne s'agit pas de dire. Tu dois t'asseoir et tu dois te dire. Si je suis une reine, ça implique quoi? Si je suis élue, un élu doit savoir celui qui l'a appelé. Tu es élu par qui? Vers qui? Par qui, vers qui? Par qui, pour qui? Pour faire quoi? Aujourd'hui en ligne, c'est tout le monde qui s'appelle roi. Certains viennent, ils m'insultent même. Et il n'y a pas de souci. J'ai reçu mon message dans mon esprit en 2018. 2019, je suis venue en Afrique, j'ai commencé. Roi et reine, je commence en 2021, septembre 2021. Voilà 3 ans plus tard maintenant. C'est la longévité qui va confirmer celui qui a appelé. Je dis bien, c'est la longévité. Parce que quand tu es appelé, si tu n'es pas derrière, hein,
Si tu ne connais pas qui est derrière toi, pardon. Tu vas avancer, ton essence va finir. Embrassing omi. Non. Le carburant va finir. Parce qu'il y a des vagues spirituelles. Il y a des saisons spirituelles. Et vous devez connaître d'où Dieu vous a connecté. Dieu m'a connecté à la femme-ci, à l'homme-ci, à la personne-ci. C'est de là. Il y a des périodes où je reste comme ça et vous dites que voilà la saison de ceci. Pourquoi il prend ça où? Pourquoi il prend ça où? Que non, maintenant il faut qu'on commence à faire telle chose. Pourquoi il prend où? Ce sont les saisons spirituelles. Et de la même façon que les softwares, quand, si vous avez les programmes, si vous avez le téléphone Android, tous les deux mois, un mois généralement chez moi, le téléphone demande qu'il faut update le système, non. N'est-ce pas? C'est la même chose. Le diable update sa façon d'attaquer. Il modifie son système. C'est pour ça que vous devez être connecté plus que jamais. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Sinon, les trends vont changer, comme les trends de TikTok. Je ne peux pas poster en fonction des trends. Si ce n'est pas la trend qui vient de ceux qui m'ont envoyé, je ne fais pas. Amour Teka, merci d'avoir partagé. Je te bénis, oh, bénédiction sur toi. Tu peux avoir des pouvoirs et tu es appelé. Mais tu vis caché, inconnu de toi-même et des autres pendant 60 ans. Tu tombes sur mes vidéos. Ça commence à te parler, ça t'active. Tu ne sais pas, mais depuis que tu m'as écouté, je ne sais pas. Il y a un truc. C'est comme ça que ça commence. Après, tu commences à sentir comment ton corps... Il y a une ADN en vous. Écoutez-moi bien. Il y a des choses dans ton corps. Comme un enfant qui grandit. Je prends le nom de gars du jeune homme. Il a cette partie intime. Hein. Mais c'est quand il arrive à la puberté que son corps s'active, non? C'est là que quand ils voient peut-être une fille qui passe un genre, ou bien ils voient un film, un genre là, son corps commence à faire un genre. C'était en lui, non? N'est-ce pas? Le temps d'activation a dû venir, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que votre corps, on vous a parlé de la puberté à l'école, on vous a parlé de ceci. Il y a des choses en vous qui ne pouvaient pas s'activer jusqu'à un certain moment. Jusqu'à ce que vous rencontrez certaines personnes, jusqu'à ce que vous écoutez certains enseignements. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Be careful what you hear. Be careful what you hear. Faites attention. Il y a des choses qui s'activent en toi parce que tu as écouté. Regardons par exemple un film X. Tu es là, tu es assis, tout va bien. Ton corps vient, tout va bien. On met une image devant toi. Ça commence à jouer. Ça commence à jouer. Tu écoutes, tu vois. Ton corps commence à manifester. Ça fait un genre. Pour l'homme, ça va se manifester différemment. Pour la femme, elle va commencer à faire ça. Vous croyez que qu'est-ce qui s'est passé? Tu as écouté quelque chose. Tu as vu quelque chose. Ton corps a réagi. De la même façon que ça s'activait, mais sur la partie plutôt de faire l'amour. C'est comme ça que vous vous activez aussi et vos pouvoirs s'activent. Et c'est pas la blague. Bonjour Lucia. L'ennemi ne veut pas que tu saches que tu portes des choses en toi. L'ennemi ne veut pas que tu saches que ce que tu portes en toi, ça va aider les gens. Et si tu écoutes ce que je dis, peu importe dans quelle année, si cette vidéo t'attend, t'atteint, jusqu'à ce que tu écoutes, il y a quelque chose que tu portes. Je ne suis pas en train de motiver, je ne fais pas de la motivation, chérie. Je suis un motivational speaker. Je suis une activatrice de destinée. Je ne motive pas. La motivation vient, ça part. Ça vient, ça part. Moi, j'active.
J'active et je pousse à l'action. Jusqu'à ce que tu me rencontres, tu ne connaissais pas que tu portais quelque chose. C'est ça mon but dans vos vies. Dieu m'a montré ça en 2016. Il m'a dit, je dois m'appeler The Gift Digger. Je disais que je ne comprenais pas. Il m'explique que gift, c'est les dons, les talents qu'il y a dans les gens. Dig, c'est creuser. C'est creuser. Il dit que je creuse et j'active les dons. Ce nom de Gift Digger, je l'ai depuis 2016. Il m'avait montré, j'ai eu une vision, j'ai eu la révélation de ce que j'ai. Je suis une incubatrice de destinée. Donc je suis le ventre qui porte l'enfant pour que tu accouches là. Je viens faire l'insémination artificielle. Je prends le sperme et mets dans toi. Oui. Et après, il fait la sage-femme. Jusqu'à l'enfant sort. Et l'ennemi a beaucoup de destructeurs de destinée sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Et beaucoup d'entre vous, vous souffrez parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. You don't know who you are. Si depuis que je parle là, tu ne sens pas quelque chose dans ton corps, toi qui me demandes encore comment savoir qu'on est en plein éveil. Quand j'enseigne, je n'enseigne pas de façon linéaire. Je peux enseigner, je fais comme les zigzags, je fais comme ça, là, je viens ici, par là-bas, je fais comme ça là. Mais si tu ne comprends pas, si ton esprit ne me comprend pas, ce que je ne suis pas pour toi. Ce que je ne suis pas pour toi. Je dois parler avec Myéline là, je dois parler avec elle. Univers Beauty, j'ai moins envie de te bloquer. Tu as suivi. Il y en a parmi vous que je n'aime pas moi vos esprits. Beaucoup d'entre vous, dans vos rêves, je vous ai beaucoup enseigné. Donc quand je vous parle comme ça, là, il y a des choses qui... Le rêve stocke des messages dans votre corps. C'est pour ça que souvent quand tu rêves, tu te réveilles, tu oublies. Une heure plus tard, tu vois la photo de quelqu'un de qui tu as rêvé. Le message revient. Hein? Le message revient. C'était stocké quelque part dans toi. Beaucoup d'entre vous, avant que vous tombiez sur mes vidéos, on se connaissait déjà. Quand tu arrives à Libreville, tu connais, tu écris, on va pour le meubler, tu écris. Donc, faut pas je ne parle pas de meubler ici. Il y a un numéro sur la page, tu contactes, tu dis que tu veux le meubler de Libreville. Quand tu dis que ça se passe comment, tu veux qu'elle laisse ce que je viens de te dire sur la spiritualité, je viens te parler du meublé. Non, chérie. Je dis bien, avant que vous ne tombiez sur mes vidéos, votre esprit connaissait déjà, me connaissait. Il y a des personnes ici là, vous avez des visions avant de me rencontrer. Si bien que le jour où tu tombes sur ma vidéo, tu te dis, je connais la femme-ci. Parce que nous, on était déjà connectés dans le spirituel avant que tu ne... Et vous avez commencé, l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui commence tôt. Ce n'est pas moi qui viens t'éveiller. Si tu n'as pas été éveillé avant de me rencontrer, quand tu vas tomber sur mes vidéos, tu vas dire, parle-moi de quoi. Tu vas passer. Mais quand tu as commencé avant, ça commence par des questions que tu as. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il y a certaines personnes que tu... Pourquoi? Mais pourquoi c'est... Ton esprit, pourquoi? Comment je peux faire pour aider plus de personnes? Mais comment faire pour que ceci... Tu poses ça à l'univers. Il y a même des questions que tu n'as pas encore pu mettre ça en parole. Tu n'as pas encore pu mettre les mots dessus. Mais c'est dans ton esprit. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui adresse ce que ton esprit avait comme question, tu dis wow. Parce que n'oubliez pas que dans le monde spirituel, quand vous dormez là, votre esprit, vous êtes en quête. Vous avez déjà donc. C'est pour ça que souvent vous rêvez que oh, je rêvais que j'étais marié à un homme, oh, j'avais des enfants, j'avais ceci. Parce que ce n'est pas votre seule vie ici.
Ce n'est pas votre seule vie ici. Parce que quand je te réveille, je dis que ok, j'ai clock in dans la vie ici. Je viens de clock in. Clock in à quelle heure? 5h55. 2h22. C'est le temps qu'on commence ici. On a check out de l'autre côté. On vient check in dans l'autre aussi. Donc vous comprenez. Je ne fais pas de lecture spirituelle pour le moment. Écoutez seulement mes vidéos. Donc, vous devez comprendre que il y a des choses que... Peut-être ici, tu es pauvre, tu es endormi pour le moment. Et dans l'autre dimension spirituelle, là-bas, tu sauves les gens, tu délivres les gens, tu as des maisons. Et quand je te réveille ici, tu n'as pas encore fait le... Like, you know, you haven't made the link. Tu tombes sur mes vidéos et c'est à chaque fois que je te réveille, tu oublies. Voilà, Naomi dit que le Seigneur m'a présenté chez elle en rêve. Voilà. Donc, et quand tu commences à faire le lien, tu te rends compte que dans cette réalité où tu es pauvre et tu te sens mal quand tu te réveilles, tu vois que ça commence à changer. La sensation de « Oh, je ne peux pas, oh, je suis perdu, oh, je suis personne, je ne connais personne dans ce pays, oh, qui va même m'aider ?» Quand je viens d'arriver au Cameroun, j'ai eu ça. Les personnes qui me disent « Oh, si tu acceptes de sortir avec moi, je connais telle personne, je connais telle personne. » Tu rencontres un gars, il te drague, il commence à te dire que je connais telle personne. On te fait passer dans telle radio, on te fait passer dans telle télé. Mais là, tu dis non. Tu refuses. Quand tu refuses, c'est parce que tu connais que tu ne veux pas salir ton aura. Obtention de visa, je te bloque. Quand tu te connais, tu n'as plus besoin de partir en Europe. Quand tu découvres qui tu es, l'Europe n'est plus une quête pour toi. Ceux qui veulent encore partir en Europe là, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Tu cours pour aller faire quoi en Europe? Tu ne te connais pas encore. Écoutez, vous n'êtes pas né dans le pays où vous êtes né par hasard. Vous n'êtes pas tombé là où vous êtes par hasard. Arrêtez toujours de croire que Dieu est fou. Donc tu crois qu'il t'a fait noir pour rien. Kenny, je te fais le monter dans ton live. Dans mon live, pourquoi? Why? Et moi te bloquer. Il y avait 77 abonnés, tu viens déranger les gens. Il faut quitter là-bas. Quand quelqu'un est déjà dans sa mission, ses abonnés vont monter parce que les personnes qui sont connectées à lui vont venir. Vous suivez? Donc quand tu commences à comprendre ce que Dieu t'a mis sur la terre pour faire dans le pays où tu es. Supposons en m'écoutant, tu es au Maroc. Tu n'es pas au Maroc par hasard. Peut-être que tu es au Maroc en partant en Espagne. Commence donc à demander, qu'est-ce que je suis censé faire là où je suis d'abord? L'univers n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Tu arrives en Europe, on dit cherche les papiers. Tu cherches les papiers 10 ans. Finalement, tu obtiens les papiers et tu es même perdu. Tu ne sais même plus ce que tu veux faire. Guy Dormo, tu dis, et ceux qui ont l'occasion de voyage, quel genre d'occasion? Est-ce que c'est ça que tu vas arriver là-bas après un mois, tu n'as plus de papier, tu vas tomber au champ? Tu vas tomber en brousse? C'est ça que vous parlez d'occasion? Ou que tu vas aller mentir pour avoir les papiers? Bonsoir, Agnan du Canada. Bonjour. Hein? Vous connaissez ce qui est pur. Parce que l'ennemi veut toujours corrompre votre esprit, votre chemin. L'ennemi veut vous corrompre à tout moment. Et il ferait tout. En fait, je suis arrivé en Europe. Vous connaissez très bien ce que les gens font en Europe pour avoir les papiers. C'est pour vous transformer en zombie. À l'ombre de toi-même. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils ont, c'est carrément une puissance. C'est une puissance. Tu le vois, il a la foi. Il ne va pas à l'église tous les jours. Hein. Mais il va te dire, non, moi j'ai refusé de faire telle chose, j'ai refusé telle chose. Voilà, je suis ici là, voilà ce que je fais. Quand il parle, tu sens la puissance dans sa voix.
Généralement, c'est les personnes qui ont refusé de se corrompre. Les personnes qui ont gardé leur intégrité. Et de nos jours, on peut compter sur les doigts de la main. Les personnes qui ont gardé, surtout dans notre monde, nous les jeunes filles. Les filles feraient n'importe quoi pour avoir le iPhone 13 ou 14. Ah, c'est seulement un coup, non. Ah, tu sors seulement, tu peux au restaurant avec lui une journée, non. C'est tout, non. C'est seulement un week-end, non. Après, tu achètes le téléphone que tu veux. J'ai un ami qui a vu une de mes vidéos que j'ai fait en 2020. Maman, je jeûnais au... Le game me touchait. Je dis que la pauvreté me gérait. Oh, vous voyez, je suis comme ça. C'est parce qu'elle mange bien. Je vis bien. Tu vois le portrait de Jésus chez moi, ça te dérange. Attends, elle te bloque. Pardon. Elle te bloque. Quelqu'un me décore sa maison, ça te dérange. Elle te bloque. Bon, tu m'apportes quoi? Oh, hakebum. Oh, non. Je lui dis que ne me vois pas comme je suis cela. J'ai traversé des situations où j'ai dû refuser. On vient, on dit que bon, voilà, accepte ça comme ça. J'ai dit non. On dit comme ça, j'ai dit non. Alors, j'ai dit non. Et quand il dit non comme ça, là, c'est là, le game me touche même pendant 6 mois. Mais je ferai tout pour garder ma connexion. Pour garder. Pour me lever et écouter la voix de Dieu. Pour que Dieu me dise toujours dans quelle saison je suis. Tu commences une relation avec quelqu'un, il commence à faire que on dit que ma chérie, le gars, il va t'amener dans le trou. Le gars, il va t'amener dans le trou. Dégage. Ne fuyez pas vos saisons. Marguerite, tu dis que je suis devenue trop belle. Hein? Moi, j'ai les saisons de beauté. Hein? Je vous ai dit que je ne suis pas encore devenue belle. Vous allez, un jour, vous allez vous mettre au direct, là, vous allez me regarder, vous allez croire que c'est une fée qui est descendue ou bien un ange. Plus tu te connectes, plus tu fais. C'est comme si tu rajeunis. Il existe plusieurs dieux bloqués. Je suis pas ici là pour parler des dieux des gens. Parfois, s'il y a quelqu'un ici là que tu as choisi la droiture et tu sais dans ton esprit, et c'est dur pour le moment, si tu es tombé sur ce que j'ai dit maintenant là, ce n'est pas par hasard. Ça va payer. Tu me suis. Ça va payer. Ça va payer. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Le mot vérité, là, c'est une puissance. La vérité est une puissance que même les gens qui sont dans les sectes, ils ne peuvent rien contre toi. Tu suis. Ils viennent comme ça, là. Il y a des gens parmi vous, vous travaillez chez des gens qui sont compliqués. Vos patrons sont compliqués. Vos patrons sont compliqués. Mais il n'arrive pas à vous avoir. Il n'arrive pas à vous avoir. Parfois, tu sors avec un homme. Après, il se complique. Tu le sens. Maintenant, on lui montre comment il va venir faire pour prendre ta lumière, toi, sa femme. Il y a aussi quelque chose qu'on m'a dit de vous dire. Il y en a parmi vous, vous avez commencé. Peut-être que tu es arrivé dans un pays, tu as commencé un truc, ça ne marche pas. Tu savais que c'est Dieu qui t'a dit de faire. Et actuellement, c'est chaud. Écoutez, écoutez, ça va aller. Le diable connaît ce que vous êtes appelé à faire. Le diable vous connaît. Ah.
You said, I have some water, please. Avant, je pensais que je suis une petite femme. Jusqu'à ce que... C'est souvent l'adversité là, boum, 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 boum. Tu dis que je ne sais pas, oh là là. Il y a des pays où je me suis installée actuellement, où il y a mon business, que il y a des jours où je veux même sortir, partir, je veux porter mes choses et quitter de là. Je dis, mais c'est quoi? Depuis que je suis arrivée, attaque sur attaque. Parce que le diable connaît ce que tu es censé faire là-bas. Si tu as joué à la loterie américaine, c'est différent. Quand l'ennemi voit que tu mets la semence de quelque chose, il vient, il attaque. Il vient, il attaque. Maintenant, quand tu as commencé dans les bonnes bases de vérité, les bonnes bases. Maman, il y a des gens ici là, vos gorges sont en train de t'attaquer jusqu'à. Je ne veux pas que vous parliez. Quand tu as commencé avec les bonnes bases de vérité, tu ne peux pas être compromis. Dieu devait te faire passer par la période où tu peux regarder 1 million, tu dis non. Alors que tu sais que le soir, tu n'auras même pas 500 pour manger. Je vous dis qu'il y a des gens qui viennent souvent dans mon ministère. Parce que les gens là donnent beaucoup d'argent. Et après, ils se disent que oh, quand je vais vouloir faire comme ça, là, je vais parler, elle va me suivre. Je vais qui est? Dieu me dit que laisse la personne partir. Taqué, non. Taqué. Taqué là. Il soulève les mains et dit bye. Et il y a des personnes même qui viennent et qui veulent teinter, qui veulent ternir ce que je fais. Et il y en a que vous êtes partis vous compliquer. Bien, non, vous savez pourquoi vous êtes bloqué. Vous venez me voir pour me tester. PDG qui veut le produit, écrit. Il y a le numéro en haut là-bas. Achetez le kit. Il y a le kit fondation. La boutique passe déjà. Hein. Allez dans la boutique sur TikTok. Vous achetez vos produits. L'ennemi va vous chercher. Il viendra. Maintenant, quand Dieu a déjà bien travaillé ta fondation, il sait que si je donne maintenant 1 million à la fille-ci, la personne à travers qui j'ai donné 1 million ne va pas devenir son Dieu. Vous me suivez? Si elle commence le business commence à marcher. Elle va se dire, ah, c'est moi maintenant qui maîtrise le business. Ok, thank you. My medication. Did you wash this the inside? Yeah. Did you put this water? Yeah. Are you sure you washed it? Okay, thank you. Wilfried Nanga, je ne m'occupe pas seulement des femmes. Certains parmi vous, vous êtes bien, vous êtes gentil, vous êtes... Mais Dieu n'a pas encore pu tester votre intégrité. Je sais que ça va faire mal à quelqu'un ici. Tu traverses ta période de test. Mais bon, voilà, un beau mec arrive. Je vais t'épouser. Je vais aller au Canada avec toi. Hey! Ah, moi, il laisse les trucs que Dieu m'a appelé là. Et que Dieu m'a appelé à faire quoi? Ah, je me marie aussi, je vis ma vie comme tout le monde. Voilà ton test, chérie. Voilà ton test. Mais comme Dieu t'aime tellement, Heaven sent, tu es parti en mariage. Comme Dieu t'aime tellement, après 1 an, il garde le mariage là. Tu te rends compte que c'était un Decepticon qui voulait te contrôler. Tu vas encore devoir passer ce test.
Le prochain mec qui va venir, ton goût, hein. Ton goût. Grande taille. Teint chocolat. Avec les abdos. Net, net. Hein? Un peu à quel là? Oh là là, Daline. Et Seigneur. Dès que tu le regardes comme ça, il te regarde avec les yeux doux. Hein. Tu oublies de prier. Les débuts, c'est comme ça. Hein. Tu oublies d'abord de prier. Tu sautes une prière sur deux. Après, tu dis que ah, moi, j'ai pas... la reine humaine, elle va commencer à nous dire que. Oh, pardon. Je me connais même plus si c'est direct. Pardon. Ah, c'est quoi? Esmeralda, tu dis que tu es enfin décidé. Vos tests arrivent. On va vous tester. Ne vous dérangez pas. C'est pas moi qui teste. C'est le père. C'est l'opère qui teste. L'opère. On a l'opère. L'opère ou testera. It is not me. It is l'opère. L'opère, le papa. L'opère vient. Il t'envoie un bon pain croustillant là. Mais le gars est derrière toi. Les cadeaux de ça. Il y a une belle voiture qui sent bon. Tout ce que j'aime. Et quand tu peux même faire l'amour avec lui, tu fais, il fait connaître comme tu aimes là. Il a les coups de rein de tourner les reins. Baby, fais-moi voyager. Eh ouais. Tu restes comme ça là. Pendant un mois, tu ne suis plus mes vidéos. Est-ce que tu te laves encore celle? Tu dis que le sel va gâter ton jansang. Que les crèmes, que les crèmes de corps qu'il m'a acheté là, le sel là va gâter ça. Pardon, qui fait avec ça? Hein? Je vous connais. Les femmes choisies, elles sont encore très attirantes, très belles. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement. Parce que la lumière qui est en nous là, c'est ça. Trop belle. 5 ans, 5 ans. Tu tiens un bel habit sur toi, tu marches en route, on te drague. Oui. Oui. Et c'est comme si tu as les saisons. Il y a les saisons où tu es un peu le fade. Quand tu es dans les batailles spirituelles. Après une saison comme ça, là, tu brilles jusqu'à... Tu dis que yeah. Tu viens de traverser une étape de bataille. Voilà. Mais comme mes produits spirituels sentent trop là. Hein, que le sort de moi va gâter l'odeur de ton parfum. Ton parfum, c'est quoi là? Dior qui t'a acheté. Mm-hmm. C'est ça. Yves Saint Laurent. Ah, c'est vrai que c'est... Tu avais rêvé, Dieu t'a demandé de choisir. Sauver les gens ou voyager. Non, si t'as demandé ça, il faut... Écoutez, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous parle, je sais que parfois je me suis demandé, ok, est-ce que Dieu est là-bas? Est-ce que... Je suis qui pour que Dieu me connaisse? Je suis qui pour que Dieu me connaisse? Hein? Tu es grand, tu es important. Rose, elle t'a dit que non. Elle dit que... C'est pour ça que oui, c'est... Et quand tu refuses et que tu imposes tes choses à ce chocolat-là, à ce pain qui vient, ce pain croustillant, tu vas voir à un moment, tu vas te retrouver comme si, ok, il faut que je choisisse entre la relation et mon intégrité. Mon intégrité. Et il y a des tests que tant que vous ne passez pas, ceux qui veulent les produits, dans ma bio, il y a un lien. Cliquez sur acheter les produits là-bas. Avec tous les arnaqueurs qu'il y a eu là, on vous fait passer maintenant par ça. Et là, tu te lèves, tu te dis que non. Je vais, il faut que je dois maintenant découvrir ma destinée. Seigneur, dis-moi qui je suis. Seigneur, tu m'as appelé vers qui? Il te dit qu'aujourd'hui là, va dans tel orphelinat, tu tresses les enfants. Tu te lèves, tu peux pas faire. En rentrant, tu tombes sur un bon pain au chocolat comme ça là. Il te dit, vraiment, tu sais, vraiment, tu n'as pas besoin de faire tout ça. On peut payer quelqu'un et pas faire. Je t'aime, je vais t'épouser. Seigneur, comme je t'ai servi seulement 2 semaines là, tu m'as déjà donné l'homme de ma vie. L'autre a dit que choisir l'intégrité ne devrait pas être un défi. Mais c'est ça, ce sont les situations de la vie.
Il y a quelque chose en nous qui veut, qui fait, qu'on veut toujours montrer aux gens que je suis aussi arrivée. Oui, Aurélie, c'est ça. Que je suis arrivée. Oui, mes produits sont au Gabon. Prends le numéro du Gabon. Prends de quoi noter, je donne le numéro du Gabon. À la montée de lui. Mon local est à la montée de lui. C'est quoi l'impact pour une femme de coucher avec différents mecs? Tu vas entrer dans les choses compliquées. Hmm? Tu veux m'amener dans les choses compliquées? On t'a dit d'aller à la plage, il faut partir. Mes produits en France, on les commande à partir du Cameroun. Cliquez dans la bio, vous pouvez écrire. Ou bien vous allez voir aussi la liste des produits, vous cliquez là-dessus, vous payez. Voilà. Tu as eu un punk qui est venu, il t'a promis le travail. Tu as fait un petit jeûne avec le lavage au bain de pipi. Il t'a bloqué. Le nom du magasin, si tu as pas gentil, on va seulement t'envoyer, on va poster, on va envoyer. Prenez le numéro du Gabon. 074 18 00 80. Ça, c'est le numéro du Gabon. 074 18 00 80. Côte d'Ivoire, 0779. Il y a mes produits en France, Rosie. Mais tu dois écrire. 0779-0252-05. Il te laisse, il va se marier, il revient encore comme un mamie. Tu le laisses partir, tu le chasses même. Il y a les phases de certaines personnes appelées. Coucher avec plusieurs personnes, ça m'amène dans plusieurs tangentes, choses que je ne voulais pas faire pour le moment. Parfois, il y a un esprit générationnel qui peut venir de ta mère ou de ton père, un esprit de prostitution. Il y a beaucoup de personnes que si vous n'étiez pas en train de servir, Dieu vous serait prostitué. Je ne vous insulte pas, mais c'est une réalité que je dis. Donc si tu ne servais pas Dieu, tu serais prostituée. Et quand tu te retrouves en train de coucher avec beaucoup de personnes, ou d'avoir plusieurs gars, parfois c'est comme si c'est un esprit c'est plus fort que toi. Il y a ça, il y a la masturbation. Voilà les deux choses qui dérangent beaucoup les gens. Premièrement, l'ennemi est en train de jouer sur ta conscience. Parce que si tu es quelqu'un que tu couches avec plusieurs personnes, tu ne peux pas croire que tu es appelé. Ah, tu es appelé, tu es en train de coucher avec beaucoup de personnes. Oui, tu dis. Tu es appelé, tu es en train de porter des sexy tous les jours. Tu marches en haut, les gars te sifflent. Et tu es appelé. Ça n'a pas de sens. Moi, du jour au lendemain, je suis quitté de sexy à ouvrir mon église. Like, cette semaine, j'étais en sexy. La semaine prochaine, j'étais en train de. Parce que c'était un truc que ça. J'ai comme mon appel, c'est depuis 2014. En 2019, quelques semaines avant que je n'ouvre l'église, j'ai chuté dans une période là-haut. Mince. J'ai la coiffure, j'ai mis la lace wig. Je voulais seulement être la plus belle. Et j'ai une sorte d'aura là que quand j'ai une sorte d'aura que quand je. Si ma vie bien, si elle met une longue grève ici, là, de là, je vais les amener dans une sirène. Donc, c'est comme s'il fallait que les gens me draguent. Je sentais un combat dans mon esprit carrément. Et je me rappelle. À cette époque-là, j'avais un prophète. C'était un camarade de classe qui avait été sauvé avant moi. Et à cette époque-là, j'ai un ex qui est venu loin de l'Angleterre pour me voir. La période où je devais ouvrir l'église. Croyez-moi, ils vont venir de loin pour vous. Ils vont venir de loin pour vous. Il a conduit sa voiture de l'Angleterre
traverser le bateau, tout ça là, avec Bénigne. Quand elle arrive, voilà, oui. Je lui dis qu'on va sortir ensemble selon les lois spirituelles, les lois divines. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il reste chez moi un jour, deux jours. Le deuxième jour, il commence à me dire que si tu es ma femme, il faut qu'on couche ensemble. Ah, ma tête a tourné un quart d'heure. Il dit que jamais, on a dit, on s'était dit que quoi. Je me lève à 23h, je lui dis que c'est bon, notre relation est finie. Et déjà que même avant qu'il prenne sa voiture pour venir, l'esprit me disait déjà qu'il faut que j'arrête la relation parce que j'avais déjà un appel que j'ai reçu, j'ai un ministère que je dois lancer. Comme ça qu'il sort de ma maison à 23h. 23h30. Je sens la prise. Donc, c'est comme si le Saint-Esprit est descendu dans ma chambre. Je sens ça sur moi. Je sens ça sur mon corps. Il me parle. Il me parle. Tu sais que je t'ai appelé. Il y a des gens là-dehors qui attendent ce que tu as à l'intérieur de toi. C'était une bataille pour qu'ils commencent mes directs, pour qu'ils commencent les pages ici. Vous ne croyez pas que je me suis levé le matin, c'était facile. Non, c'est une bataille spirituelle. C'est comme ça que j'ai peut-être après une heure de temps, je sentais tout mon corps chauffer. Très rarement dans ma vie, j'ai eu ça. Alors, tu voulais faire un cadeau. Si tu as PayPal, tu peux envoyer par PayPal. Va dans le lien, sur la bio de TikTok, il y a un lien là-bas. Tu peux cliquer là-dessus. Ceux qui peuvent faire les cadeaux par MTN, vous pouvez payer là-bas par MTN, MTN Money, par PayPal. Donc, il y a un lien dans ma vie pour faire les dons. Vous pouvez aller faire les dons là-bas. Oui. Le lendemain, à 4h30 ou 5h, le prophète là me fait un message. Il me dit, appelle-moi quand tu te réveilles. Merci. Dès qu'elle appelle. Il dit, le Seigneur me dit de te dire. Je vous assure que ce que Dieu m'a dit à minuit, la nuit là, c'est ça qu'il me dit le matin. Ah! Quand il parlait, mon corps chauffait. Mon corps chauffait. Il dit, Seigneur, dont tu me connais, mais tu es au courant des... C'est comme ça qu'une semaine après, j'ai commencé le ministère. J'ai commencé. Le numéro MTN, tu es dans quel pays? Toi qui veux faire le don. Tu es dans quel pays? Je peux te donner PayPal, tu peux payer par quoi? Je ne localise pas quelqu'un, pardon. Commence même pas. Tu t'es avec ça, je localise moi. Je ne localise personne. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à faire quelque chose qui va toucher beaucoup de personnes. D'où vos challenges. D'où vos challenges. Et il y a les personnes autour de vous que quand vous allez finalement commencer, si tu demandes à Dieu des signes que c'est l'homme de ta vie et il te parle de Jésus, c'est positif. Ah, ça c'est les petits. Qui l'avait ça? Ça c'est le petit niveau. Comment tu peux dire ça? Arrêtez de demander à Dieu les signes. Le diable donne les signes aussi. Monsieur qui a abattu, je ne suis pas ici là pour soulever les gens. Tu as compris? Le diable donne aussi les signes. L'indécision, femme, tu es dans quel pays? Et tu es dans ton pays. Le diable donne les signes. Arrêtez de fonctionner avec Dieu avec les signes. Et qu'on soit honnête, hein. La connexion ou le dialogue avec l'esprit, c'est d'esprit à esprit. Arrêtez de tester Dieu. Il y a des connaissances, there is some knowing, on appelle ça en anglais knowing. Tu sais. Je ne sais pas comment, mais je sais. Je sais en moi. Vous devez savoir. C'est pour ça que je vous dis que si ma tête vous énerve, ne me suivez plus. Vous devez être sûr que vous voulez me suivre. J'ai des personnes souvent sur qui je travaille. Je ne suis pas en train de parler des rêves des gens ici. Hey, pardon. Je vais te bloquer.
Tu travailles souvent sur quelqu'un, après 2-3 mois, il voit comment le cœur de la personne est en train de changer. Je lui dis que je ne veux plus travailler sur toi. Il dit quitte. Et tout ceci, c'est parce que beaucoup d'entre vous, vous vivez dans le mensonge. Vous prétendez beaucoup. Soyez vrai. Soyez vrai. Si bien que quelqu'un sait que si elle m'a bien parlé ici, là, même derrière, là, elle ne parlera pas mal de moi. Elle est un cœur avec moi. Son cœur sur moi est un. Et pour pouvoir atteindre ce niveau-là, tu dois arrêter d'essayer d'impressionner les gens. Sois authentique. Être vrai ne veut pas dire que tu es pauvre. Être vrai ne veut pas dire que tu es pauvre. Tu dois vraiment comprendre la différence. Ça veut dire que je suis moi, je ne cherche pas à vous impressionner. Je fais quelque chose parce que je veux faire. Je ne fais pas pour, parce qu'elle va dire, oh waouh, c'est bien, je t'aime, tu es gentil. Non, c'est pas votre approbation ou bien votre appréciation qui est pour moi mon nom. C'est ça, être vrai, authentique, authentique. Malheureusement, parmi les personnes qui sont authentiques, il y a des personnes qui prétendent. Parmi les élus, il y a beaucoup de faux élus. Il y a des femmes élues, vous sortez avec des faux élus. Ils profitent de toute la lumière qu'il y a dans leur vie, c'est votre aura. Donc tout ce que l'homme-là a, c'est de toi qu'il a pris ça. Et si tu sors de sa vie, là, il tombe. Tu sors de sa vie, il tombe. Même le téléphone, il n'a plus. Le dévoreur le prend directement. Il devient laid. Excusez-moi, mais il devient laid. Il noircit. Parfois, Dieu va vous séparer de ces personnes-là. Plus vous montez spirituellement, vous arrivez à un niveau où on commence à faire la démarcation. Faire l'enfant avec un homme ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. Coucher avec un homme ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. Il n'y a pas de comment reconnaître ce type de personnes. Vous ressentez dans votre esprit. Écoutez beaucoup votre esprit. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Mais parmi les femmes aussi, oui. Même les clients. Souvent, ils restent comme ça. Je bazarde même 30% de mes clients. Eux, certains partent d'eux-mêmes. D'autres, je dis que c'est bon, je veux que tu travailles sur toi. Tu travailles sur la personne. Après, un jour, tu découvres que c'est son cœur. Le cœur de la personne n'était pas bon. Vis-à-vis de toi-même qui travailles sur lui. Souvent, la personne vient t'avouer lui-même. J'ai un de mes employés, je voulais faire un jour un truc avec lui. Genre, je rentre, il me dit, bon, voilà. Je veux faire tel truc avec lui. Voilà, on peut faire ça. Je me dis que bon, on peut avancer comme ça, après ça donne comme ça. Le jour où j'ai prévu faire la chose, je vois, c'est... Je me réveille le matin, là, il m'énerve seulement. Je me réveille, il m'énerve seulement. Plus tard, il vient m'avouer que lui, la période là, une autre personne l'a approché, qui partait travailler avec la personne. Donc, il y avait un esprit étranger dans son cœur. Oui. Si tu es sensible, il y a des gens avec qui tu as des projets. Tu te dis, bon, on va faire ça ensemble. La période là, tu te lèves, ton corps pèse. Laisse d'abord un peu. Attends. Parce que le temps dévoile toujours tout ce qu'il y a dans le cœur des gens. Tout. J'ai un de mes petits, une fois, il vient, il commence à travailler pour moi. Il me dit, je sens que ce que tu fais là, oui, je veux que tu me formes pour que je fasse ce que tu fais. Je ris. Il dit, tu sais quoi? Si dans, ça faisait là peut-être, je vais donner un an. Si dans un an tu es encore ici, tu travailles encore pour moi, on va considérer, je vais considérer.
Parce que le temps dévoile le cœur de tout le monde. Et en tant qu'élu, tu ne prends pas ce que les gens disent. Les gens vont te dire tout ce que tu vas entendre. Queen Kwaka, thank you. Le temps parlera toujours. Et quand quelqu'un te montre quelque chose, crois ce qu'il te montre, pas ce qu'il te dit. C'est pour ça que je dis que vos esprits connaissent déjà. Your spirit knows. Et quand tu sois avec quelqu'un, ne laisse pas le fait que tu sois avec lui te faire arrêter tout ce que tu faisais spirituellement. Un homme peut être une étape dans ta vie. Tu le rencontres, on fait 3 mois ensemble. Dans les 3 mois, il t'amène dans les meilleurs endroits. Les meilleurs endroits. Tu pars. Après, au 4e mois, tu vois, il devient bizarre. Ce n'est pas que tu dois forcer pour rester avec la personne. Peut-être que tu es justement là pour t'ouvrir un canal. C'est tout. Non, tu le laisses. Tu le laisses. Parce que ta routine, quand tu commences lavage au sel, là par exemple, je vous parle, mes pieds sont dans les herbes. Je suis dans mon jardin, les pieds sont dans les herbes. Regardez. Vous voyez. J'ai les pieds dans les herbes. Ça, ce sont des routines que, peu importe qui tu es dans ma vie, si tu m'empêches de faire l'autre, c'est là, tu laisses. Au tarnon. Voilà, mes oiseaux sont là. Je dois toujours avoir un peu d'herbe chez moi, un peu d'oiseaux et de l'espace surtout. J'aime l'espace. Et voyez beaucoup votre ressenti. Peut-être que au début, généralement ça prend environ 2 à 3 mois pour que si quelqu'un est dans ta vie avec une énergie négative et il te suce, bon, au départ quand tu le rencontres, tu es comme ça là. 2 mois. Ça commence à descendre. Parce que ce que tu faisais pour maintenir ton énergie, et les petits signes, c'est quoi? La personne te frustre énormément. Il te critique tout le temps. Il n'est jamais content de ce que tu fais. Il ou elle est, bien sûr. Elle, il y a les femmes aussi, les femmes critiquent beaucoup. Tu as l'impression que cette femme prend ton énergie. What are you doing? Okay. Come and show me the one you did already. C'est ce que tu dis à ton petit ami. Lord Uric. Oh, you have to put in smaller packets. If it's too big like this, no, put it inside and you go in. Tu vas acheter peut-être à la boutique. Okay, it's too big. You need to make smaller pockets. Bonjour les oiseaux. Il a préféré te bloquer sur WhatsApp. Hein. Il y a des gens qui vous donnent certains mots de tête dont vous n'avez même pas besoin. Mais vous n'avez même pas besoin. Tu as fait le bain de sel, tu es tombé malade. Maman, tu n'as pas de démons là alors. Ils veulent te décourager. Oui, le mille, le riz aussi. Les oiseaux aiment beaucoup le riz. Moi, je fais souvent ça à la maison. Moi, j'aime mes oiseaux, hein. Mes oiseaux même. Leslie, merci pour l'offrande que tu as faite. Je l'ai reçue. Tu m'as fait une offrande, merci. Elle avait dit que tu connaissais même dans mon numéro Wave. Parce que je n'ai pas donné mon numéro Wave ici, là, mais tu as donné l'offrande. En tout cas, quand chacun connaît sa chose, il connaît. Ton ex est le genre que
C'est le genre de fille que tous les gars veulent au lit. Et elle se donne aussi vite. C'est que ce n'est pas ta personne. Non. Merci, Immaculée. J'ai vécu ça avec le père de mes enfants. Maintenant, nous sommes séparés. Queen de Bogo, c'est Bandoro. Tu es venu te plaindre ici, là. Je ne prends pas les plaintes. Tu sortais avec un camé. Il disait que tu le vides. Bouddha. C'est lui qui connaît comment tu le vides. Je ne vends pas le sel noir, chérie. Ok. Et les autres couleurs, pas le noir. Vous aurez beaucoup de... Je ne vais pas appeler ça des tentations, mais... L'ennemi va... Si vous ne comprenez pas... Parfois, quand on va à l'église, on se dit que... Je ne peux pas parler quand même du fait que je couche avec trois gars actuellement au pasteur. Ce n'est pas quand tu te purifies que tu viens à Dieu. C'est Dieu qui t'aide à sortir de là. Parce que beaucoup de choses que vous faites, ce n'est même pas vous qui vous contrôlez. Pourquoi tu ne sépares ton mari comme ça là? C'est l'ennemi qui est entré dans ton mari pour faire que vous vous séparez. Merci pour les roses. Grâce. Donc tu vois que ce n'est même pas toi qui fais. On ne se purifie pas avant de venir au guide. Oh, aidez-moi, non. Tu viens à eux pour qu'ils t'aident à trouver ton chemin. Et vous devez vous aimer. Genre, soyez like, be patient with yourself. Soyez patient avec vous-même. Soyez léger. Beaucoup d'entre vous, vous jugez beaucoup. Vous vous jugez très mal. Alors que ce que tu as fait, qui paraît mal, tu étais sous l'emprise d'un autre esprit. Je ne parle pas des un miroir. Va toi-même sur Google, tu écris un miroir. Quitte avec ça. Ça, c'est les faux enseignements, ça. Un miroir fait quoi? Ça active tes pouvoirs. Arrêtez vos bêtises là, ça m'énerve même. J'ai vu les un miroir, ça veut dire que je suis appelée. J'ai vu les un miroir, ça veut dire que je serai riche. Quitte avec ça. Arrêtez de vous accrocher sur... Le diable va vous prendre avec les petits détails. Si le seul signe pour que tu saches que tu es appelé de Dieu, c'est les œufs miroirs. Donc quelqu'un qui n'a jamais vu les œufs miroirs n'est pas appelé. Quelqu'un qui n'a jamais vu les œufs miroirs n'a pas de pouvoir. Ne soyez pas bénable. C'est comme quelqu'un qui part à l'église et dit, il faut que le pasteur prophétise sur moi. Pasteur, dis-moi un mot, dis-moi un mot. Dis-moi. Donc si le pasteur ne vient pas vers toi, ça veut dire que... Ça veut, même les sorciers voient les œufs miroirs, bien sûr. Donc si le jour là, le pasteur là ne vient pas parler sur toi, ça veut dire que ah, Dieu ne t'a pas parlé. Soyez très vigilant. Hein. Que l'œil miroir c'est quoi? Je te bloque. Je suis en train de parler jusqu'à encore me demander que l'œil miroir c'est quoi. Quitte là-bas, moi. Tu rigoles. Les abonnés dérangent. Les abonnés dérangent. C'est un savoir que tu dois avoir dans toi. Et je vous ai bien dit que c'est quelque chose qui a commencé même avant que vous ne me rencontriez. Et si vous attendez seulement les petits signes d'une personne, non, laissez. Ça veut dire que pour prendre la moindre décision dans ta vie, tu vas m'attendre. Cancambo, je vais moi te bloquer. Mon direct, c'est pas le direct des plaintes. Et vous qui êtes en train de lui répondre là, je le bloque et je vous bloque. Oh, jeune fille, viens ici là. Viens.
Viens. Viens. Qu'est-ce que j'ai sur mon herbe? Viens ici là. Tu es où? Tu suis l'herbe. Qui a fait caca sur mes herbes? Hum? Lève-toi, tu dis bonjour. Voilà, reine. Reine, dis bonjour. Ne me lèche pas, dis bonjour. Ne me lèche pas, oh. Bonjour, dis bonjour. ne lèche pas ça, c'est pas pour toi. Oh. Aurélie, prends ça, tu laves. Elle est venue lécher ma tasse. Oh, chien, c'est là. Si la pipette, là, tu laves juste la pipette. Merci. Ah, tu cherches l'enfant. Moi, je parle au chien. Je parle à mon chien comme c'est une personne. Pardon. On est, ce matin, je suis sortie avec elle. Elle a vu un chien ici, là. C'est que je n'ai pas de chien chez moi. Je n'ai qu'une chienne. C'est comme si elle est en période de chaleur. Ah, elle a poursuivi le pénis, mon frère. Elle a poursuivi le pénis. Ah, excusez-moi. Alors, je l'ai seulement porté pour la ramener à la maison. Jesus. Hé, hey, la chienne, ça. Elle a poursuivi. Après, elle comprend que, ah, c'est qu'elle est en période de chaleur. Et le chien a été laid. J'ai dit qu'il ne veut pas les chiots comme ça chez moi. Pardon, il est trop laid. Oh, les hommes comme ça. On parlait de quoi? Non, je veux pas. Le chien a été laid. Non. Il était laid. Il faut quand même qu'il soit beau comme elle. La reine est belle. Regarde comment elle est belle. Thank you. Non, je ne l'ai pas stérilisée. Je veux qu'elle accouche, mais pas maintenant. Non, elle s'est couchée là, se réveille, elle fait comment? Elle le poursuit, non? Je l'appelle, je dis, viens pas. Je me tourne, elle n'est pas encore sur lui. Et il commence à se sentir les fesses, des trucs comme ça là. Oh là là. Pardon, il faut laisser comme ça. Il te dit qu'ils vont prendre la beauté de la chienne. Regardez comment vos enfants ressemblent à leur père. Il veut tous les gens que j'ai choisi pour. Que c'est le berger et Hondo. Il riche. Je sais pas ce qu'il peut faire de toi, monsieur Lot, il riche. Ouais. Berger et Hondo. Ceux que j'ai choisi, quand ils arrivent devant, elle tape. Elle refuse. Elle tape. Mademoiselle, qui a bon anniversaire. Linda, que ton fils te ressemble. Les enfants ressemblent au père, pardon, on connaît ça. Même ma fille ressemble à son père. Il dit que pardon, il veut pas les chaud chez moi. Tu les regardes comme ça, tu cherches même pour les aimer, tu n'arrives pas. Tu ne veux pas dire qu'il est beau, pardon. Cancan Boy est venu déranger mon direct, je vais le bloquer. Comme tu dis qu'il est parti, je le cherche pour le bloquer. Je vais bloquer Cancan Boy. Bon, je crois qu'on parlait, je suis en train de parler de quelque chose ici très important. Ah, je viens souvent te parler en rêve. Ok. Donc, je parlais du cheminement. Les gens qui vous quittent, après, ils reviennent là. Je ne regarde personne ici pour le visa. Quelqu'un qui te quitte, après, il revient dans ta vie. C'est comme si tu as un chien qui retourne vers son vomi. C'est comme si tu vomis, après tu pars encore pour manger. Toutes les fois de ma vie où j'ai essayé de recoller quoi que ce soit avec un ex. Entre la jalousie qui vient, parce que la personne est jalouse de toi, parce que oh, quand il n'était pas dans ta vie, tes choses avançaient toujours. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils vont partir de ta vie, tes choses vont tomber. Ils partent, tes choses marchent. Quand ils reviennent, ils voient que tu as avancé. Ça l'énerve. Tu es l'ami de ton ex. Vous allez vous dire quoi? Invité à ton mariage, ne soyez pas fou. Hein? Tu bois le jus, tu ne bois pas la bière, tu laisses. Tu m'as vu avec les tresses en rêve.
C'est super. Merci, Alliance. Et qu'ils cherchent la beauté. Je veux pas que les gars me draguent. Les gars draguent trop. Papa, il revient pour te détruire. Il a besoin de ton énergie. 3 ans plus tard. Pardon, mamie. Lui est ignoré. Même s'il a des enfants avec toi. Ce n'est pas parce que tu as fait l'enfant avec quelqu'un que tu es censé garder le contact avec la personne. Vous avez des baby fada qui sont des démons. Tout dans ta vie, il a voulu te détruire. Il a voulu te mettre à terre. Et c'est baby fada. C'est le père de tes enfants. Oui, monsieur Ivoire, je ne veux pas la drague. Ne me drague pas. C'est les pères de vos enfants là que c'est le démon en personne dans ta vie. Ah, il était guéri en rêve, oui. Ces derniers jours-là, il a beaucoup voyagé. Donc peut-être que je suis passé chez toi. Il y a des personnes qui vont venir. Il revient en faisant croire qu'il a changé. On ne dit pas qu'on a changé avec la bouche. On ne dit pas qu'on a compris. Qui se sont séparés par une force mystique dont provoquée. Tu vois aussi. Non, ce n'est même pas ça. Avant que la personne ne soit... Regardez, l'ennemi ne travaille qu'avec ce qu'il a trouvé dans le cœur de quelqu'un. Si ta copine cause avec son ex, c'est pas bon. Je suis sûr qu'elle check ton téléphone et elle veut pas que tu parles avec tes ex. Parce que le genre des filles est jalouse comme tout. J'ai conseillé un couple l'autre jour comme ça. La fille cause avec son ex de temps en temps. Elle empêche à son gars de parler avec son ex. Donc ce genre de personnes, généralement, il y a beaucoup... Dans son cœur, il y avait déjà un peu de jalousie. L'ennemi est venu amplifier. Il y a des hommes qui sont jaloux de leurs femmes. Il y a des femmes qui sont jaloux de leurs hommes. Il y avait beaucoup d'enfants. Que faire? Mamie, si tu n'as pas le choix et que la personne doit venir voir ses enfants, il vient voir ses enfants, non? Il ne dit rien avec toi. Et si tu suis mes conseils, que tu vas devenir indépendante financièrement, tu ne dois plus le supplier pour demander l'argent. Quand la rentrée arrive, il connaît qu'il doit donner l'argent pour les enfants. Il ne donne pas que toi-même, tu as pris tes dispositions. C'est pour ça que les femmes, quand une femme devient déjà spirituelle, ça devient difficile pour elle d'aller supplier ou mendier. Quand tu commences à ouvrir tes dons, alors tu comprends que je peux commander l'argent de ça. Je peux commander l'argent de ça. Tu comprends que tu as le pouvoir sur ta vie. Oui, plus de lien avec ton ex-mari. C'est ça. Sans remords. On te chuchote quand tu vas entrer dans ta douche et je fais comment? Tu me dis pour qu'elle fasse quoi? Vous vous plaignez, je vous bloque. Plaignez-vous, je vous bloque. TikTok, c'est le seul que c'est plaignant là-bas. Tu retournes avec ton ex pour faire quoi? Il y avait les gens qui ils vous ont zappé. Ils vous ont loupé la première fois. Et tu connais le genre que tu étais accro à lui. Le genre que... Oh. Il était avec un gars une fois. Comment j'aimais le gars. En fait, il était comme un bébé pour moi. Dès qu'il prenait, je donne l'argent. Ne le dérangez pas, laissez-le. Dès qu'on me dit, mais tu ne vois pas ce qu'il fait. Non, laissez-le. Je l'aime. Et qui est? Tu as bien dit, Prunelle, que c'est la délivrance. C'est Dieu qui t'a délivré. Il était jaloux de mon ministère, jaloux de mon argent, donc tout à tout bout de champ. Quand l'ennemi entre pour séparer ce genre de couple, c'est parce qu'il a trouvé d'abord la jalousie dans le cœur de la personne. Oh. Tu vois que si l'ennemi arrive, il trouve le cœur de la personne pur vis-à-vis de sa femme. Tout est clair. Il essaie ici, là, ça ne donne pas. Il essaie là-bas, ça ne donne pas. Il essaie là-bas, ça ne donne pas. Braguez pas. Et le genre qui est orgueilleux. Quand vous étiez ensemble, il était tellement orgueilleux que pour te demander même pardon, souvent c'était difficile. Fais très attention aux personnes que... Il peut se fâcher avec toi une semaine. Un beau matin, il se lève, il vient dire, ok, pardonne-moi. Non. Je vais me dire que donc, je ne sais pas ce qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, je ne connais pas. Donc si la chose n'arrivait pas, tu peux te fâcher avec moi pendant un mois.
Son orgueil qui fait qu'il ne peut jamais venir. Vous me dites que tu as raison. Vous me dites que c'est vrai, c'est moi qui ai eu tort le tout. Sinon, non. Be careful. Watch out. Très attention. C'est ça que mon ex était. Hein? Il reste une période comme ça là. Il est dur. Après, soudainement, le matin, il se lève. Oui, bébé. Il t'appelle 5 fois la journée parce qu'il veut que tu lui pardonnes. C'est dit que, ok. C'est forcé seulement. Pardonne à forcer, forcé. Pardonne à forcer, forcé. Si c'est un démon qui est entré dans toi, pourquoi tu viens me déranger? Si tu ne reçois jamais l'ordre un jour. Je peux même parler comment. Donc, si... Et elle me dit ça comment? Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a des personnes qui se laissent manipuler. Ton fils a rêvé qu'on t'a enchaîné. Tu me dis alors pour que je fasse comment? Travaille sur toi. Je vous dis à chaque jour, je travaille sur vous, vous ne travaillez pas. Même si tu me suis, on n'a jamais rêvé sur toi. On n'a jamais rien rêvé de mal sur toi. Travaille sur toi. Tout ce que tu vois dans la rue là, blocage, blocage, blocage. Même toi, tu es bloqué. Parce que quand on parle, vous ne comprenez pas. Elle parle même de quoi? Elle parle même de quoi? Ok. Ne me dérangez pas, pardon. Et je vous ai encore dit que les esprits que vous avez en vous viennent de... Non, il y a des personnes qui sont très puissantes, si bien que... Même si tu as couché avec 100 hommes, ça n'influence pas ta destinée. Ça ne va pas gâter ton appel. Et les choisis, les élus sont des personnes qui ont traversé trop de choses d'abord. C'est rare de voir un élu qui a grandi, il est pur, tout est bien, sur le temps, sa vie, Les élus sont les gens que les pronostics étaient contre toi. Tu es sorti de ces 50 relations. Oui. Tu as fait 14 avortements. Après, Dieu te pardonne. Hey, Dieu, tu me pardonnes. Je touche les gens et guérisse. Je prie que les gens et guérissent. Yeah. Alors que j'ai avorté 14 fois. Mais... Vous me suivez? C'est pourquoi tu ne te lèves pas pour dire que c'est moi. Amia, Amia. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Oui, on t'insulte même quand tu ne vas jamais te marier. Tu parles de quoi? C'est pourquoi tu ne te lèves pas pour dire oui, c'est parce que j'ai jeûné 50 jours. Parce que j'ai fait 2 ans sans coucher avec un homme. Je suis pure. C'est pour ça que jamais. En fait, les esprits là, ils m'énervent même souvent. Ah oui, voilà maman Nathalie de l'orphelinat, cœur de Jésus. Oui, ils sont en train de construire l'orphelinat déjà. Oui, ceux qui ont envoyé, c'est bien comme bien une fois dit dans le direct, les tonnes de ciment ou la confection des parpaings pour construire l'orphelinat. Ils ont commencé à faire les parpaings. Oui. Vous avez dit que dans le cadre de l'association, on va faire un rapport de toutes les œuvres qu'on a faites. Donc, je vais envoyer une équipe là-bas pour qu'ils voient, qu'ils fassent un rapport de la construction aussi. On vous montre ce qu'on est en train de faire là-bas. Ce n'est pas vous qui contrôlez ces gens-là. Ils utilisent ce qui est dans votre vie pour en faire quelque chose de bien, pour en faire un témoignage. Je ne sais pas pourquoi tu viens, tu dis, oh vraiment, vous voyez, j'étais vieille jusqu'à l'âge de 35 ans, hein. Oui, mon premier gars c'était mon mari, hein. Et puis voilà, c'est pour ça que, non, les élus,
réaction des personnes, que quand on regarde ton chemin, quand Dieu t'a appelé toi-même là, tu doutais que Dieu, gars, comment tu peux que regarde, gars, non, non, Dieu, non, Dieu, tu es sûr. Allez dans la Bible, lisez l'appel de l'autre dans le livre des juges. Quand il est en train de se cacher, Gédéon est en train de se cacher pour puiser le truc. Il dit que, il dit, Mighty Man of Valor, vaillant guerrier. Il dit qui? Moi? Il est le dernier de la dernière tribu. Donc on prend tout le pays, on prend la dernière tribu. Il est le dernier de la dernière tribu. C'est lui que Dieu vient choisir. Et croyez-moi, quand Dieu le choisit là comme ça, là, c'est. Tac. Je crois qu'en une journée, il fait deux offrandes. Il paye pour pas, il vient, il donne. Il offrande, il donne. Voilà. Ça là, il donne. Je vous dis que les offrandes, la première phase de ton argent, c'est d'abord les offrandes. Offrande. Ça a encore ouvert une autre dimension de son chemin. Il paye, il détruit l'hôtel familial. C'est après ça maintenant que les gens sont derrière lui. Comment savoir si on est élu de Dieu? Tu pars en route, tu prends la peau de banane, tu lances. Si la moto écrase, ça veut dire que tu es élu de Dieu. Tu as suivi. Si la moto n'écrase pas, c'est que tu n'es pas élu de Dieu. C'est quoi? C'est une connaissance que vous avez, c'est intrinsèque. Tu le sais. Que ça va créer. Est-ce que la moto glisse avec la peau de la banane? Toi aussi. Bonjour Florence. Si tu ne comprends pas, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ce qu'il dit. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est avant que je cherche les gens. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce qu'il dit. Mon langage, ce n'est pas pour tout le monde. Je suis là pour vous rappeler ce que vous savez. Je ne vous informe pas. Je vous rappelle qui vous êtes. Si tu m'écoutes, tu ne te rappelles pas ce que tu n'étais pas de nous. Je ne donne pas les rituels aux gens. Nous aimons le moins cher. Il faut payer. Tu as compris? Adama, bonjour, comment tu vas? Merci pour ton colis d'amitié. Vous êtes sur un chemin. Vous devez comprendre que vous êtes sur un cheminement. Quelque chose qui a commencé depuis, qui est en cours. Et le diable vous connaît. Ha ha ha.
Le diable vous connaît. Le nombre d'élus qui sont ici dehors qui sont bloqués. Le nombre. Bloqué. 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 Certains se fatiguent, ils laissent partir. Certains se fatiguent, ils laissent. Et je vous ai dit que le diable passera par tout le monde, même ton mari, même tes enfants. Jésus a dit dans la Bible que tout le monde ne peut pas dormir, ne dormez pas. Le jeûne, les lavages, les prières. Il y a des choses que tes enfants font. Il y a des choses que tes enfants font. Une tétutesse, ton enfant se retrouve en train de fumer le champ peut-être. Ou se retrouve avec les amis qui l'amènent de l'autre côté. Ou ta fille se retrouve avec un gars qui détourne sa tête. Ça t'attaque. C'est une attaque sur toi. C'est une attaque. Mon contact est dans la bio. Ceux qui veulent me contacter. C'est une attaque qui est sur toi là. Je vous ai dit au départ de cette vidéo que si le diable m'attaque, s'il me connaît, pourquoi me connaît-il? Le diable est un homme d'affaires. Écoutez-moi bien. Le diable, c'est un homme d'affaires. Il ne paie pas ses ressources. S'il envoie pour qu'on t'attaque, sache que tu portes quelque chose. Ah. Parfois, quand il fait le direct, j'ai envie de vous secouer dans l'écran comme ça, là, pour que vous compreniez ce qu'il dit. Donc, tu crois que le diable va se lever pour rien. Il va envoyer quelqu'un, la personne va venir t'attaquer. Il va faire un collègue au bureau, il va te détester. Il va faire ton patron, il va te détester. Tu crois que les ressources, là, il ne va pas mettre ça ailleurs. Hein? Parce qu'il a vu dans la nuit, tu pries pour deux, trois personnes là. Tu fais le jeûne, tu fais l'offrande. Tu dis que je fais l'offrande pour mes enfants. Je fais l'offrande pour telle personne réussisse. Hé! Hey! Tu es en train d'engager les lois spirituelles contre lesquelles il ne peut rien. Tu es en train d'engager les lois spirituelles contre lesquelles le diable ne peut rien. Il y a des choses que quand tu fais, ça ne te dérange pas. Tu es en train de déraciner les baobabs qui ont bloqué votre famille. Et ce n'est pas visible généralement immédiatement. C'est parce que quand vous faites généralement, vous fatiguez. Ouais, j'ai fait, ouais. J'ai fait, maintenant je fais encore comment? Est-ce que ça a même fait quelque chose? Non, ça a fait. Le fait que tu te lèves, tu commences à prier pour ta famille. Tu dis que je vais faire 3 jours de jeûne pour ma famille. Oh. À la fin du jeûne, là, ton gars va te quitter. Tu l'as touché, il faut qu'il te touche. Elle voit comment quelqu'un prend le temps pour venir écrire sur ma page, alors qu'il n'est même pas. Tu viens regarder mon beau visage comme ça, là, ça ne te dérange pas l'esprit? Oh. Tu n'avais rien à faire, tu es là-bas en bengue. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui est là-bas en bengue comme ça, là. Soit c'est une vieille chouette qui est bloquée là-bas. Elle est grise, elle n'a pas de papier. Elle tombe sur ma page. Certains voient même mes followers, ils sont jaloux. Non, je l'ai bloqué, Rachel, ça ne te dérange pas. Je parle pour ceux qui sont encore cachés, qui ne vont jamais commenter mon direct. C'est comme ça, le diable passe par les gens comme ça là. Les vieilles chouettes comme ça là, cachées en Europe là-bas. Ça fait 20 ans qu'elle est en Europe. Elle ne peut même pas donner un don de 50 000 à quelqu'un. Elle va venir sur TikTok pour déranger les gens. Elle a 25 followers sur sa page. Tu vois les posts qu'elle fait, c'est toujours noir, bizarre. Quand elle se filme, elle ne nettoie pas la caméra sur son téléphone, c'est noir, c'est flou.
On vous connaît. Les agents de lumière, quand ils se postent sur les vidéos, tu vois, ils sont clairs. Tu les vois bien. Ils cherchent la lumière pour aller se filmer à la lumière. Coco, tu ris quoi? Quand on parle de cela qui se pointe. Comme ça qu'ils sont là dehors plein. Ils vont voir une jeune fille comme ça qui a un peu commencé. Et elle connaît qui elle est. Hey. Parce que dans la nuit, ils sont venus t'attaquer. Dans la nuit, ils sont venus t'attaquer. Quand ils voient, tu commences un peu à briller. Quand tu commences, quand tes choses commencent à marcher, ton thème commence à. Tu commences à aller. Quand ils te voient, ça les énerve. Ils vont tout faire pour te donner une petite balle. Un mot là que ça va te toucher. Quand tu te lèves comme ça là, tu as une mère au quartier là que tu en rentrant souvent, tu lui gardes un petit tout comme ça, mange, ça lui plaît. Voilà le bien que tu fais. Oui. Tu passes un peu comme ça là, il y a les petits au quartier là que tu leur donnes souvent le pain le matin. Voilà le petit bien que tu fais. Vous faites du bien aux gens. C'est comme ça que l'ennemi n'aime pas. Quand il vous dit que le diable vous connaît, le jour où tu vas t'asseoir, tu vas comprendre que. Hey. Donc, quand on s'est séparé avec mon gars en 1900, c'était eux. Oui. Donc, quand c'était le diable. Oui. Oui. La fête, tu as accouché tôt. Ta mère ne te parlait plus, ton père ne te parlait plus. C'était le diable. Le diable a fait ton mari partir te tromper. Quand tu as su ça, ça t'a fait mal. Tu as même laissé l'église même 3 mois. Quand on sait Dieu, après notre mari nous trompe encore comment? Tu as laissé même Dieu même pendant 3 mois. C'était le diable. Bonne journée, Asbio. C'était le diable. Ah. Vous blaguez. Merci pour le cadeau, Evansen. Vous blaguez avec le diable. Il y a les stratégies, les astuces. Il fait, tu arrives en banque, tu n'arrives pas à voir tes enfants. Tu essaies le visa depuis, ça ne marche pas. Ça fait 50 ans, tes enfants sont là, tu veux voir tes enfants. Et il connaît comment tu aimes tes enfants. Tu rêves dans la nuit, tu vois comment tu veux toucher ton enfant, après ton enfant fuit. Tu te réveilles, tu dis que, yes, Seigneur, c'est quoi ces papiers? Ça fait des visas là. C'est le diable. Mais il a menti. Vous allez tenir. Vous allez tenir. Et je vous ai dit que s'il vous attaque, ça veut dire que ce que vous faites touche. Oui, il enlève la grossesse. Tu accouches et tu l'enfant. Oui. J'ai perdu mon enfant l'année passée. Les paroles que Dieu m'a données après ça, j'ai compris que je suis dans le plan de Dieu. Jusqu'à... Le diable ne s'attaque pas à toi pour rien. Et le tout, c'est que quand il te touche, il veut que tu arrêtes. 2 jours après mon opération, j'étais en train de faire les directs. J'étais dans les directs. C'est-à-dire que Ago continue. Si tu ne connais pas qui tu es, tu vas te dire, il veut arrêter tes actes. Ce n'est pas avec les paroles. C'est tes actes qu'il veut arrêter. Tu vois, je dis que ah, je sais Dieu là même depuis comme ça là, pourquoi? Regardez, j'ai aidé même les gens, c'est après ils se retournent contre moi. Hmm? Donc vous devez connaître ce que vous portez. Les bonnes actions que vous faites. Et je vous le dis, on ne simplifie rien. Arrêtez de vous simplifier. Si dans ton quartier, il y a 2 personnes que si tu fais une semaine, tu n'es pas là, ils disent que yeah, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Kapowa, yeah, du coup, Odia, que Jocelyne a. Vous ne savez pas comment le spirituel fonctionne. Hmm.
Elle t'a apprécié aujourd'hui. Hein, reine. On commence par les petites choses avant de faire les grandes choses. Je répète, on commence par les petites choses avant de faire les grandes choses. Ne cherchez pas à faire les grandes choses directement. J'ai dit que quoi? On commence par avant de... Il utilise... Le diable entre dans les personnes en qui tu as confiance. Si Judas gérait l'argent de Jésus, ça veut dire que sur 12 personnes, Jésus a testé les autres. Il a dit que c'est Judas. Rose, tu n'étais pas couché depuis hier. Il est à 4 heures chez vous. Toute la nuit, tu as été regardé au direct. S'il a... Et c'est lui que le diable est venu prendre. Tu peux donner les clés de la maison à quelqu'un. Tu peux donner les clés de la voiture. Tu donnes... Mais de donner la gestion financière. C'est lui qui retire l'argent. C'est lui qui donne quand il faut. C'est lui qui garde l'argent. Tu demandes qu'il y a combien, qu'est-ce qu'il t'a dit. C'est sur lui qu'il est parti. Comme je parle, ça vous plaît là, que le Seigneur vous bénisse. Mon but, c'est que vous puissiez réaliser qui vous êtes d'abord. Understand who you are. Comprenez qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous le dis, si tu écoutes ceci, si la parole s'y touche tes oreilles, c'est pour toi. C'est ça que vous allez me dire que Adam, c'est tout le monde à le dire. Il y a combien de personnes? Il y a 8 milliards de personnes. Pourquoi seulement 350 personnes qui sont connectées pour voir ce qu'il dit? Parce que l'un des mensonges de l'ennemi, c'est que quand tu vas vouloir croire que tu es spécial, donc ça veut dire que tout le monde dans le village, c'est spécial alors? Non. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour aller faire un don dans un orphelinat. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour aller aider quelqu'un. Comprenez ça dans les deux sens. Pourquoi quand il faut faire quelque chose, se lever à 3 heures pour prier pour les gens, se lever pour intercéder pour quelqu'un, quitter d'une ville pour aller dans l'autre pour aider quelqu'un qui a accouché? Tu fais, tu aides. Maintenant, quand il faut croire que Dieu t'aime plus que les autres, tu te dis que ah, moi je suis qui? Non. On dit les agents, agents de lumière. Ça veut dire que tu es dans son armée. Ça veut dire que tu travailles pour lui. Tu crois que qui va te toucher? Monsieur Diamant, merci. Et c'est de la même façon que vous êtes protégé. Je dis bien, tous ceux qui sont connectés actuellement, comme si tu écoutes ça là, c'est bon, c'était pour toi. Crois-le. Et la croyance active les pouvoirs. Si tu crois, ça active l'action et ça active les pouvoirs. Si tu crois que tu vas prendre le briquet, tu vas comme ça, ça va s'allumer. Ça va faire que tu vois le briquet là-bas, tu prends. Voilà mon baffle. Je crois que j'allume, ça va donner. Donc je prends le baffle et j'allume. Entendez? J'ai cru que je pouvais activer le baffle, sinon. J'ai cru, non. La croyance active une action et un pouvoir. Et là, je crois que je peux éteindre. Vous voyez? Et le diable connaît que si tu ne crois pas, tu ne vas rien faire. Dès que tu ne crois pas, c'est bon. Mais elle reste là-bas, oui. N'est qu'une petite fille qui est sortie à Bafoussam. Tu es seulement dans un petit village là-bas, à Yaoundé. Oui, tu crois que tu es qui? La prunelle des yeux de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Avant que Dieu ne te donne l'argent, il va d'abord activer ton identité. Il y a les jours où je vous parle ici, on parle d'argent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour les agents. Je ne vous donnerai aucune déclaration sur l'argent. Parce que tant que tu n'as pas d'abord l'identité, le reste ne peut pas suivre. Tu dois savoir qui tu es. Et les choisis ont un problème d'identité. C'est pour ça que quand il y a un petit problème, vous tombez. Je vous ai dit que je suis là seulement comme un guide. Je vous guide pour faire pour vous, moi-même je fais pour moi. Comprenez la bataille spirituelle. Comprenez le monde spirituel.
acheter le téléphone d'Alice, le téléphone Google de 70 000 là. On doit acheter ça aussi aujourd'hui. Voilà, l'arme fatale du diable, c'est le doute. C'est ça. C'est ça, Dorcas. Dès que tu doutes, c'est bon. Pierre ne doutait pas, il a marché sur l'eau. Quand le doute est entré dans lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Quand tu connais qui tu es, tu vas porter en toi des puissances. Tu vas faire des choses que les gens vont te regarder comme si tu es dans un autre monde. Pourtant, tu es avec eux dans la même ville. Je suis ici à Douala, je fais des choses, les gens ne croient même pas. Moi, je suis dans une autre dimension là, parce que quand j'entends, je fais. J'entends, je dis. J'insiste sur l'identité. Si tu es attaqué, c'est parce que tu as quelque chose que tu fais déjà. Donc tu as même déjà commencé. Diallo, je ne suis pas là pour les plaintes. Si tu veux te plaindre, tu vas au commissariat. Oh, je suis ceci, je suis attaqué, je suis persécuté. Je ne suis pas là pour les plaintes. Mais vais-tu dans quelle ville? Toi qui veux le travail. Je vous connais, mes abonnés sont trop paresseux. Quand chaque fois que j'ai embauché un abonné, c'était la cata. Tu es dans quelle ville? Toi qui veux le travail. Mes abonnés sont paresseux. Paresseux. C'est ton identité qui va faire que... C'est ton identité et ta connexion. Mais vas-y, si tu as droit là, il faut venir. Prends le numéro, tu appelles, tu viens aujourd'hui. Je vais te voir. J'ai besoin d'employés aujourd'hui. Je veux une ménagère. Si tu viens, tu crains, tu dis que tu ne peux pas te nettoyer, tu laisses. Tu as compris? Et j'ai besoin des community managers, des personnes ou des personnes qui vont faire le secrétariat. Community manager et des secrétaires. TikTok continue à l'échec, c'est pour ça qu'on est sur TikTok. Parce que si tu dis que c'est ça qui continue à l'échec et tu fuis, c'est là-dedans que tu vas venir. C'est comme la rue, tu peux pas dire que ok, comment la voiture cogne les gens, ils meurent. Je vais plus marcher en route. Et puis une femme de direct comme ça une fois là. Elle dit, je veux le boulot, je veux même venir donner son CV, ça l'a dépassé. Même appeler, ça l'a dépassé. Elle prie pour moi, elle ne trouve pas le boulot. Parce que vous êtes paresseux. Quittez-moi, elle vous connaît. Paresseux. Je vais voir le commandant aujourd'hui. Je vais porter plainte contre lui. Parce que depuis là, il fait comme si... Demande-lui un peu. J'ai demandé qu'on voit le directeur du tout là, il a refusé. Les gens ne veulent pas travailler. Continue tes vidéos. Ouais. Continue seulement avec consistance. Tu vas voir. Non, je ne veux pas les gens à distance. Les gens à distance, ça m'a dérangé. Gabon, Côte d'Ivoire. Si vous avez ces capacités-là, vous me dites. Community manager, web designer aussi. On a besoin de beaucoup. L'équipe web a besoin de beaucoup de designers. Et les journalistes aussi. Si tu es journaliste. Ou si tu as un frère qui est journaliste. Mais si son faible d'esprit ne vient pas, pour travailler avec moi, tu vas avoir le cardio. Je ne travaille pas sur les gens. Donc si tu viens me rencontrer pour ton mari, j'ai mes entreprises, non, je travaille sur mon business. Je ne suis j'ai pas encore fait au Sénégal. Donc si c'est pour le Sénégal, non.
Parfois, je souhaiterais qu'on vous dise ces choses-là. Ce n'est qu'en racontant, ce n'est qu'en répétant que ça peut vous permettre d'être plus éveillé. Mais Ulrich, on peut travailler ensemble, Ulrich. Oui. Ulrich est un peu sérieux par rapport aux autres. Si tu viens, tu es un mauvais esprit, tu ne vas pas rester avec moi-même 2 semaines. Ah, tu peux travailler moi au Sénégal. Est-ce que tu as acheté un jour de mes produits? Parce que tu ne peux pas vendre quelque chose aux gens que toi-même tu n'as pas essayé. Il y a Congo Kinshasa. Oui, RDC. Si vous êtes là-bas aussi. Je veux travailler avec les gens à RDC. Mais tu dois avoir au moins pris mes prix, au moins une fois. Comptable, tu es où? J'ai besoin de comptable. Toi, tu es où? Toi qui es comptable, tu es où? À Douala. Si tu es à Douala ou bien au Gabon, tu peux venir. Ils sont 2 au Gabon. Même les Gabonais là. Ouh, mes 2 employés sont Gabonais, ceux qui sont au Gabon. Mais les employés sont très paresseux. Ceux que j'ai sur place, ça va. Mais les nouveaux, quand ils préviennent là, ils font le travail. Agréable coiffure de RDC. Écrivez, même Brazza, oui, Orti. Je vais travailler plutôt pour le Brazza. Orti, écris ça, écris à mes filles. Tu vas m'envoyer ton CV et une lettre de motivation. Pourquoi tu veux travailler avec moi? Tu as suivi Orti. Ceux qui veulent travailler avec moi, vous écrivez, vous dites pourquoi vous voulez travailler d'abord avec moi. Je vais avoir un entretien avec vous. RDC, c'est à la fin de cette semaine. Oh, tu étais là, j'ai écrit, non. Tu n'écris plus ici, laisse-le, n'écris plus ici, écris là-bas. Il faut laisser les Gabonais comme ça, là. Et ceux qui travaillent avec moi, je les travaille. Clo-Clo, ta fille, elle est où? Si tu as déjà ta fille comme ça, c'est que tu l'as dolotée peut-être. Elle n'est pas solide. Si tu travailles chez moi, tu n'as pas le cardio, tu vas partir. Parce que mes employés d'abord vont pas tenir le lait. C'est la jungle dans mon emploi, dans mon entreprise, c'est la jungle. Ça va vite. Lamba, merci. Marelle, j'ai dit que je suis là pour travailler, je suis pas là pour voir les patients. Tu as suivi, non? Elle vous donne les témoignages comment? Elle a ses témoignages. Tu viens ici prendre les témoignages. Princesse, elle te bloque. Et c'est que vous me regardez tout le temps comme ça là. Ah, la femme là parle, elle parle seulement. Mais vous n'achetez pas les produits. Même vous lavez celle-là, vous ne vous lavez pas. Oui, dis à ta fille de passer à l'Ocloco. Elle vient avec son CV. André, tous ceux de Paris, il faut qu'on ait déjà travaillé ensemble. Moi, si tu n'as pas déjà acheté mon produit, tu laisses. Parce que ce que tu as, on en fait ensemble là. Quand tu commences à travailler avec moi, tu as les attaques. Donc, si ton esprit là, c'est l'argent que tu cherches seulement là, tu vas fuir un moment. Préparez le programme et puis vous le lancez, non? J'ai une représentante au Burkina, oui. Donc, écris sur la page, je demande le numéro de celle du Burkina. Bon, j'ai terminé ce que j'avais à vous dire ce matin. Tu as la possibilité de vivre en voiture. Tu es à Paris, Rosie. Rosie, tu m'énerves souvent dans les directs. Je ne sais pas si je veux travailler avec toi. Hein, Rosie? Rosie. Dis-lui de venir aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Si elle vient après demain ou demain, là, je ne serai pas moi là. Je ne rencontre pas. Je rencontre ceux qui veulent travailler.
Si c'est autre chose, vous laissez. Cherche comptable, journaliste. Si tu es journaliste, tu peux faire les voix off et tu peux aussi écrire les articles. Tu viens. Si tu peux nettoyer, fais le nettoyage. Comme les jeunes aujourd'hui n'aiment pas faire le nettoyage, là, avec vos grosses têtes. Vous visez seulement une fois la voiture, n'est-ce pas? Bon, j'ai terminé le direct. Je vais vous laisser. Vous écrivez, vous donnez votre CV, elles vont me l'envoyer. Et vous programmez pour venir aujourd'hui. J'ai dit venir aujourd'hui, hein. Tu ne viens pas, tu laisses.